Ça devrait être bon normalement. Bonjour à tous les gars, comment ça va? Xavier, Didier, Gérald, Alex, Seb, Steve, Sylvain, Ange, Christophe, Cédric, Undrafted Player, David, Gosaki, Didier, Jean-Christophe, JP, Olivier, Pierre, Géo, Christophe, je l'ai déjà dit, Jean-Philippe, Kikinux, Algo Flash, et mon ami Floppy. Comment ça va? Salut Didier, pense à Michel, tu vas bien? Enfin, direct avec tous les potes à peine de positif, car je suis à l'hôpital, mais même ici, ma quête commandée. Ah bah génial! Ah oui, tu m'avais dit que tu rentrais à l'hosto, hein? T'as déjà été opéré ou pas encore? Salut Gérard! Bon, alors je devais pas faire de direct, parce que j'avais un gars qui venait faire la vérification de tous les robinets, plomberies, tout ça, tu sais, dans mon groupe d'immeubles, là. Je me suis dit, ça va durer toute l'après-midi. Hein. Je peux pas faire un direct avec un gars qui est en train de démonter les trucs et tout. Et puis finalement, ça a duré une heure. Il y avait une petite fuite à un robinet, il a changé le truc, et hop, salut, ciao. Donc je me dis finalement, bon. Voilà. Et après, comme il y a tout le monde là aujourd'hui, bah, je vais pas faire les photos, on les fera à la fin, on verra. Ou... Les photos du crozon, là. Maquettons. Ça maquette aussi chez vous, j'imagine. Les copains. Peut-être que je vais faire un projet. Ah, la bonne nouvelle du jour. Super, Algo Flash. Je savais que tu n'allais pas résister. Salut, Joël. Salut, Labrax. Juste un temps de pause d'observation, j'imagine. Ouais. Ok, Xavier. Écoute, bon courage à toi. C'est jamais facile d'être à l'hosto. On n'est pas chez soi. C'est pas son petit lit. C'est pas sa bouffe. C'est pas son... Tu vois. Didier, toujours sur le Transal. Cela va bien, les problèmes de tuyaux, cela va. Bon, cool. Salut Jacques. Salut Daffy. En parallèle de mon FW190, je monte les moteurs d'un BF110 Edward. Galère au programme. Oui, il n'était pas facile ce kit. C'est un beau kit, mais moi, j'ai pas réussi à le faire. C'est celui-là qui a volé par la fenêtre. Tu sais, quand je dis toujours qu'il y en a un qui a volé par la fenêtre, c'est le BF-110 d'Edouard. Ah là non, je peux pas résister, j'ai une bonne centaine de photos avec des canons de 5 cm, 42 en enculement ouvert. Bah ouais. Puis tu vas faire ça avec les coffrages et tout, tu vas nous montrer et tout. Tu vas nous faire un bel article sur machin et tout. Salut Michel. Gérald, marché de Noël ce matin, mais je ne savais plus si tu prenais du thé ou des herbes en vrac. C'est des herbes en vrac. Des herbes en vrac. Oui, c'est des tisanes, quoi. Bon, je bois un peu de thé vert de temps en temps, mais... Pas de thé Earl Grey, tout ça, tu vois. Undrafted Player va commencer les chenilles sur son Renault Tamiya O135. Alors j'ai trouvé des photos en Normandie où il y a des Allemands qui sont des Américains qui ont récupéré puis qui sont en train de fouiller dans des R35. Donc les Allemands avaient récupéré des R35 et puis ils allaient y compter les utiliser, tu vois, fin de guerre pour la défense en Normandie, tout ça. Et puis donc voilà, si vous avez R35 et puis que vous ne savez pas quoi faire, pour Normandie, vous pouvez faire un R35 Renault. Mais aux couleurs allemandes. Salut Seb. Oui, je vais tout détailler. J'ai déjà le kit de l'enculement en plâtre. Génial. Xavier, projet de M, chercher le crocodile Tamiya en attente de livraison. Cool. T'as vu Floppy, Didier, un maillot violet. Ouais, avec des étoiles jaunes. Bon les gars, on y va, on attaque. Je vais vous montrer, parce que au départ, je voulais faire juste un direct avec... certains des souscripteurs là, mes potes là, sur Discord, et puis quand j'ai eu un petit souci, j'ai dit bon, faut que je montre ça à tout le monde, parce que si ceux qui montent ce camion ont aussi ce problème là, il faut trouver la solution ensemble, quoi. Hey, j'ai entendu R35, ah ma petite Neidel, salut Neidel, salut Gildas,
Daidel, elle a mis une alerte. Dès que quelque part on dit R35, pé, elle arrive. Bon, allez, les gars, on passe sur l'atelier. Voilà, bon, regardez un peu ici le dessous. Alors, j'ai collé ça, ça y est, c'est collé dessus, c'est ça, voilà. Voilà, vous vous dites, oh, ça va, c'est bien et tout. Bon. Mais, regardez la distance de là. Je le mets bien comme ça, hein, voilà, pour qu'il soit bien. Voilà, je le place bien. De là à là, par rapport à là à là. Ça devrait être la même distance, normalement. Ça ne l'est pas. Normalement, ça devrait être comme ça. Grosso merdouillot. Hein. Tu vois? Et là, ce qui peut changer beaucoup de choses. Hein. Dans la réalité, ça, c'est 10-20 cm. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que là, quand c'est collé, là, c'est pile poil au bon endroit. Il y a des petits ergots, on ne peut pas se tromper. Ici aussi, il y a des petits ergots, c'est bien dans les ergots. Donc jusqu'ici, c'est bon. Comme ce truc-là était d'une seule pièce, est-ce qu'il y a une pièce qui était un peu vrillée? Je ne sais pas. Donc je vais devoir rectifier. Donc si ça vous arrive, je vais vous montrer. Ce côté-là, vous voyez? Ça, c'est la porte, c'est une pièce, et ça, c'est une autre pièce. Vous voyez comment c'est bien. C'est bien, ça, c'est bien collé, là, les deux pièces, c'est nickel. Alors que l'autre côté, dû à l'écart que je vous ai montré, eh ben, c'était pas collé. Il y avait ici un petit jour de. Un petit millimètre. Donc, du coup, quand j'ai voulu placer ça, là, là, je vais le placer ici, regardez. Là, il est bien comme il faut, là. Tu vois, c'est nickel, ça. Impeccable. Mais sur l'autre, de l'autre côté, comme en haut c'était comme ça collé et là il y avait un écart d'un millimètre, bah le truc il partait comme ça, quoi, j'exagère le trait mais comme ça. Donc du coup, ma plaque ici, tu vois, ça faisait genre comme ça, quoi. J'exagère aussi le trait, mais c'est pour vous montrer. Donc pour réparer ça, bah voilà, je vais vous montrer. Voilà. J'étais obligé de charcuter un peu quand même. Voilà. Donc la charcuterie est là. J'ai enlevé ça. Tu vois? Et là, bah, parce que ça, c'était, si tu veux. En gros, je force le trait, mais également, là, c'est pour vous montrer. En gros, c'était comme ça, quoi. Tu vois? Un peu moins, évidemment. Là, je force pour vous montrer le trait. Hein. Donc là, je l'ai enlevé, je vais pouvoir le recoller comme ça. Bien contre la porte. Ce qui fait que, eh ben, cette plaque de ce côté-là, elle va venir se coller, là, pareil, parfaitement. Après, on va voir avec le toit, enfin, le capot et tout ça. Mais il faut déjà aller élément par élément. Là, on va coller ça, mais on va surtout le coller uniquement de ce côté-là. Pas de ce côté-là pour l'instant. On le collera quand on enlèvera la porte. Parce que sinon, je risque de coller la porte et puis après, c'est mort. Voilà. Ok, donc on va essayer de remédier à cet alignement et en espérant que ça ne se voit pas du tout quand il y aura le... Quand il y aura... Enfin, quand tout sera posé, quoi. Tu vois, la calandre, le capot, etc., quoi. Donc là, pour l'instant, tu vois, je le tiens juste comme ça. Je fais vraiment gaffe à la colle, parce qu'en plus, c'est une... Voilà. La colle Tamiya... qui est super, enfin, tu vois. Voilà. Bon, là, la colle est un peu tordue, comme s'il y avait eu un coup, mais... Je me dis que c'est pas grave, ça pourra faire avec un peu de peinture, ça pourra faire comme si... Bah, le camion, il a reçu un coup, et il s'est cogné contre un truc... Ça arrive, hein, sur toutes les photos, il y a des bosses dans les camions. Moi, là, le truc s'est cassé, mais je m'en fous complètement, parce que tout ça, on ne va pas le voir. Hein. Ok. Donc là, pendant que ça sèche bien, je vais coller l'autre côté. Je vais coller ça ici. Right. Voilà. Ici. Par contre, maintenant, je vais détacher le capot moteur, parce que je veux voir deux, trois petites choses avant de... Il est là, le capot moteur. Donc, je vais le préparer. Salut Jean-Philippe. Salut Bryce. J'ai raté beaucoup de monde là. Châssis légèrement faussé. Ouais, alors je sais pas si c'est le mien ou si c'est un général, mais en tout cas,
passera pas le contrôle technique, tu m'étonnes. Ouais, Kikinoux, il est rapide, le Skyrider. Salut, Jacques. Alors, on va déjà regarder ça, là. Hein. Comme ça, si jamais ça vous arrive, vous avez vous aussi le châssis voilé, ben, vous saurez à peu près quoi faire, quoi. Enfin, là, je vais vous dire, il n'y a pas grand chose à faire d'autre que maqueter, parce que ici à Paris, en tout cas, côté météo, depuis ce matin au réveil, c'est pluie. Pardon. Donc, à part rester au chaud et maqueter, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, le petit capot mouton. Alors, je voudrais vérifier un petit truc. Oui, c'est bien ça. Bon, impeccable. Pour l'instant, ça se combine très très bien. Donc, je vais coller comme ça. Point par point, en s'assurant que chaque coin c'est bien bien en place, bien droit, tout ça, et puis il faut progresser. Voilà. Là. Là, il est bien. Nickel. Tu vois, bon là, en pensant qu'il va y avoir le dessous, le garde-boue qui monte là, comme ça. Il y a les deux petits trous, là, on voit, pour les garde-boue. Donc là, on va le laisser consolider un peu. Puis après, on va mettre l'autre côté. Là. Je vais quand même essayer là. Ok, tu me paieras one beer in Normandie, Seb. Ça drache aussi en Normandie. Ouais. Salut Alain. Tu dis, on reparlera plus tard de ce que tu voulais me proposer au compresseur, car pas de news de Vintech, merci. Oui, Bilout. Clément Hénin, quel avion comptes-tu faire pour le grand projet? Tu parles de moi. Le P47 Tamiya. Avec la petite sa petite Jeep, la petite botte spéciale Tamiya. Salut Doc. Voilà. Ça, alors, on est sûr que c'est bien placé par rapport au capot, donc nickel. Maintenant, il reste l'autre. De l'autre côté. Et après, on pourra monter la petite calandre en photo découpe, là. Salut, Xavier. C'est quoi que vous parlez, les gars? Ah ouais, une Dodge en 3D. Une seule pièce ou c'est plein de pièces? On va pouvoir le faire au 35, ça, Floppy, ça fait pas un peu gros pour la... Je montre aux copains, hein, pour... Ben, ça a l'air pas mal, hein. Ah.
Vintech, bonjour, salut, tu vas bien? Ah, t'as envoyé le mail à 9h ce matin? Ah bah Xavier, regarde. Xavier Sénégas, comment tu vas? De retour, l'ordi a planté, là, ça arrive. Je peux tester le print. Ouais, au 35, ça va faire grand quand même. Il est de la même taille que celui-là, à peu près. Hein. Ça va peut-être faire gros. 72, c'est peut-être mieux. Bon, voilà. Oh, ça a l'air de tenir. Et il s'est un peu redécalé, hein, mais quel terrible. Hein. Ouh, le coca. Je veux pas qu'il se décale, moi, je veux qu'il reste comme ça, là. Voilà. Tu vois, je veux qu'il reste bien par rapport à la porte, là. Je veux pas qu'il bouge. Voilà. Bon, nickel. L'autre côté, ça va, il tient aussi. Bon, ne soyons pas pressés. Ne faisons pas les choses trop rapidement. Salut, Dominique. Donc, vous aussi, les gars, là, vous êtes chez vous en train de maqueter. Donc, allez-y sur Discord. Hein, mettez-moi quelques photos que je puisse voir un peu ce que vous faites. Et puis, que vos copains, tout le monde puisse voir. Qu'on puisse partager tous ensemble, ce qui est le but d'une chaîne maquette et un Discord et tout ça, quoi, quand même. Ça va vite aujourd'hui avec le téléphone. Clac, 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 en deux secondes. La photo tombe direct dans Discord. Voilà, Alain nous montre le bon exemple. Merci Alain. Alors, Alain. Mosquito et vignette terminée, oui. Ah, c'est sympa. Vous tapez des belles photos en plus. Oui. De Villain Mosquito, RAF Marham, 30 juin 1943. Très, 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 très chouette. Puis sympa, tes petites figurines, là. Ah oui, j'aime beaucoup. Super, là. Top. Seb. T'as passé la peinture sur ton petit hélico, c'est quoi, c'est l'après que t'as fait? Après Valero. Ok. Bah, génial. Il a déjà l'air un peu plus, tu vois, militaire là. Top, top, top. Génial. Géo, je suis sur le Panzer 3. Oh, ça sent le... Ça sent le... C'est le, celui au quoi, un 48, un 16, c'est le gros, là. Oui, bah oui, oui. Oui, oui, j'ai demandé, mais il n'y avait pas besoin de demander. Nadel, séance de décal Kata Studio pour le cockpit du F-14. Oui, je triche. Oh! Attention, Laetitia, parce qu'on commence avec le cockpit tout fait, puis après, c'est le... Après, c'est l'avion. On achète des avions tout faits, après. Hein. Tu vois? Non, mais je rigole. Hein. Chacun fait comme il veut, c'est génial. Dis, Snaidel, t'aimerais pas faire un char hein, comme ça, là, au 1/16e, là? Un gros truc comme ça, là? Ça te plairait pas? Super détaillé et tout, hein, tu vois, elle est vachement bien détaillé et tout. Ça te tente pas, Nigel? Algo Flash, voilà ma suite de montage. Attends, j'ai oublié un truc, là. Je règle ça tout de suite. Yes. Hop. Check.
chat en direct. Qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai pas vu Fred, j'ai pas vu Dominique. Salut Dominique, salut Fred. Bonjour Didier, j'aimerais m'asseoir sur mes deux, je ferai le montage. Oui, il faut pas me dire ça en direct, il faut m'envoyer respecter ce qu'il y a dans la vidéo, Jackie. J'explique tout dans la vidéo, c'est par mail, hein, c'est pas par. On s'inscrit pas comme ça. Ok? Bienvenue à toi, Jackie. Salut Titus. Les avions tout fait, je passerai au chat. Voici ma suite du montage du treuil. Très sympa. Top, 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 ça avance, AlgoFlash. Oups, erreur sur la première photo. Yes, ok. Alors, Jean, ça va être énorme, hein, ton truc. Hein. Énorme. 1,16, j'avoue que l'échelle m'effraie un peu, nous dit Daniel. Mais non, faut en faire au moins un. Tu vas voir, c'est génial. Normalement, t'as pas besoin d'avoir le lien, Gérald. Ton PC, il peut sauter, exploser, machin. Du moment que tu ouvres ton compte, Discord, tu vois, que tu te connectes à ton Discord, et ben le serveur, si tu étais déjà connecté avant, tu l'utiliseras après, t'as pas besoin de. Tu vois. Je peux le faire hein, si tu veux, mais le problème, c'est que tu vas te recréer un compte, il va falloir recréer un compte, alors que ton compte, il est toujours dispo. Le 1.16 c'est super, dit Xavier. Xavier est en train de faire le 251 au 1.16e de chez Border Model. Mais pas sur le PC. Bon, je vais t'envoyer le lien, Biloute. Bonjour, le 1.16 c'est la vie, nous dit Papou. Donc, c'est que ça doit être vrai. Dis-moi, Didier, s'il te plaît, pourquoi pour les vernis VMS, faut-il les diluer ou les appliquer directement? Moi, je les applique directement. Je l'ai fait là il y a 2-3 jours sur un de mes directs, là. Avec un VMS en plus, ça passe nickel. Hein. C'est mon premier ou un 16, je trouve le montage plus facile. Bon, ça t'a convaincu, Naïdal, ou pas? PHD44, un Dio terminé cet automne, trop tôt pour qu'il puisse participer au projet Normandie 2024. Oui, alors, bah, merci de me signaler, de me dire ça, PHD. Je reçois des mails de gens qui veulent inscrire leur kit déjà monté, c'est-à-dire ceux qu'ils ont fait l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, peu importe. Ils veulent inscrire ce truc-là sur le D2M, leur diorama d'il y a 10 ans. Tu vois ? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Le but, c'est qu'on monte ensemble. Hein ? Avec la boîte, au 1er janvier, la boîte, elle est fermée. Et on commence tous ensemble, on monte ensemble, on explique aux débutants, on partage. C'est ça aussi le but. Hein ? Parce que si D2M va recenser parmi tous les maquettistes de France, tous les dios Normandie fait depuis 30 ans, je suis mort. Hein ? Il faut que je triple la taille du serveur. Ok. Ok, alors regardons ça, PHD. Yes. Salut Christophe. C'est très bien réalisé, PHD. Ça passe très 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 bien. Très sympa ce petit diorama, cette petite fenêtre là. Très chouette. Géo nous dit 1,16, d'accord. Qu'est-ce que tu veux nous dire 1,16, Géo? Je regarde en haut, tu avais mis des photos, mais non. Ton Chevrolet, Didier, c'est pas pour le DDM. Oui, 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 je sais. Mais moi, je le montre, je vais le finir, tu vois. C'était pour patienter avant le. Hein? Christophe? Puis pour inciter les gens à. Tu vois, voilà, je fais de la pub en même temps quand je fais mes directs, tu vois, allez-y, allez-y. Tu vois, c'est fait exprès.
Bon, Didier, tu vis avec Vincent, il n'est pas possible de faire affaire, donc je t'enverrai un mail pour que l'on voit ensemble quelque chose. Ok, merci. Ouais. Bon, Aïdel, ça t'a convaincu ou pas? Ouais, les gars, allez-y, mettez des photos, on va aller faire un tour de temps en temps. Là, je vais coller cette pièce-là, en attendant que Aïdel nous réponde. Tu vois, là, je vais avoir une difficulté parce que... Tu vois, j'ai un petit... C'est là qu'on voit l'écart du truc, tu vois. Tu vois, le capot, là, il est bien, du dessus. Regarde, là. Et là, je peux pas l'enfoncer parce que... Il y a le radiateur qui gêne, là. Donc, il va falloir que je force. Je sais pas comment, d'ailleurs, hein, comment je vais forcer. Tu vois, on le voit très bien ici. Attends, je bloque tout ça pour que ça soit bien comme il faut. Yes, tu vois? Regarde comment il est décalé. Alors, je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire. Tu vois, on le voit bien là. Ça devrait être ici, quoi. Tu vois, là... Après, si je dégomme le radiateur, tu vois, on le voit bien là, tu vois. Si je dégomme le radiateur et puis que je le repositionne bien au milieu des deux trucs là, c'est juste pour qu'on voit ça hein, en fait. Hein. Bon, bref. J'aurai toujours ce décalage de ça, hein, parce que ça devrait être là, la barre ici. Et faire tenir ça comme ça, je ne sais pas comment faire. J'ai déjà le 14 de la présidente qui va démarrer. Oui, c'est vrai. Pas possible qu'un jour je fasse un char soit grande échelle, soit fût l'intérieur. Bon. Floppy, t'es là, t'es dans le coin? Colle le capot avec les côtés. Le tout au châssis. Colle le capot sur les côtés. Ah, tu veux dire à part, je décolle ça, et je colle les trois pièces là comme ça, bien comme il faut. Comme ça, quoi, en gros, hein, un champ. Hein. Et après, je m'arrange pour bien le... Ah, mais il va y avoir un décalage ici, là, ça, on va voir le décalage ici à la place. Présent. Floppy, est-ce qu'au mois de janvier, on pourra aller faire un petit coucou à Neidel? Si elle est d'accord, bien sûr, on conviendra de la date. On devait y aller en décembre et puis on n'a pas pu. Pour que je lui amène, qu'on allait lui faire un petit coucou déjà, puis que je lui amène son cadeau de Noël. Bah bien sûr. Bon, alors je vais chercher le cadeau de Noël de Neidel. Ok? Bougez pas. Voilà, Neidel, ton cadeau de Noël. Panzer 3 LR au 1.16, c'est du trompetteur en fait.
Mais c'est du 1-16. Il m'en restait une boîte. Je te l'offre, c'est pour toi. Ok ? On te l'amènera avec Floppy au mois de janvier, quand on viendra te passer nos vœux. Alright ? Voilà, comme ça, bah, hey, tu le montes à partir de 2026 ou 27, comme tu veux, hein, tu fais comme tu veux. Hein. Mais au moins, tu auras la boîte comme ça, tu vois ? Voilà. Il y a trois versions, enfin, tu verras, le canon métal, tout le bazar. Je vais là, je marque Neidel dessus pour Neidel. Et on te l'amènera avec Floppy au mois de janvier. Alors, bon dîner, tu mets ton Dodge en panne sur un Dio avec un charmant dépannage qui le remorque. Ouais, non, c'est pas... J'aime pas faire ça. Au châssis. Tu colles le capot et ses côtés sur la caisse. Yes. Et une fois tout bien sec, tu colles l'ensemble au châssis. Ah non, mais parce qu'il n'y a pas de poids. C'est par... Tu l'as monté, toi, Seb? Tu m'as dit, non, tu l'as pas monté, tu as monté presque le même, quoi. Enfin, le même... Tu vois, ces pièces-là, ils ont pas, ils ont aucune attache sur le châssis. Hein. Tu vois, là, regarde, je bouge le châssis, là, tu vois. Là, si je colle la deuxième pièce et le capot, ça bougera encore comme ça. Hein. Ces pièces-là, celles-là, celles-là, elles sont collées à ça. Elles ne sont pas collées à ça. Mais de rien, Nidel, avec plaisir. En plus, il y a un fil ouais, qui avance pas beaucoup, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le montent. C'est dingue, tout le monde m'attend pour que je monte le truc, sinon il ne monte pas. Faut monter, les gars. Salut, Greg. Merci, Papa Noël. Bah, c'est rien. C'est avec un grand plaisir. Un Père Noël en t-shirt rouge Top Gun. Ange, EB, Italerie Dodge, ouais, c'est celui-là que j'avais vu. Mais il est possible, ouais, il est dispo que sur... Bon, par contre, à monter, c'est un peu chaud, mais... Salut Didier. Ouais, je crois que... Bon, on va faire ça, on va faire ça, on va coller là, ici, là. Tu vois. Et puis après, on va ajuster ça. Là, on va le. Je crois qu'il faut que je dégomme le radiateur. Il faut que je mette le radiateur plus au centre. Hein. On va devoir faire un peu de chirurgie. Hein. Tu vois, je vais devoir dégommer ça. Charcuton. Voilà. Même ça, je pourrais l'enlever. Hein. Ça me fait galère, là, ça sert à rien. Bon, bref, ça. Ça serait mieux que je fasse ça, oui, ça serait quand même un peu mieux. Voilà. Donc j'ai enlevé le radiateur. Hein. Et puis ça là, tu vois, nickel. Alright. Regarde là. Tu vois. Donc j'ai juste à ajuster ça maintenant. Avant de coller les deux pièces là, l'ajuster ça en plein milieu. Le problème, c'est que là, regarde. Que c'est pas mieux de ça, quoi. Ça, c'est décalé. Tu vois, ça devrait être comme ça. Ah là là là. Ou alors, je le décale avec ça en mettant un petit pito ici. Ah. Bon, le moteur là, il m'énerve. Ça, je vais le garder, ça. Voilà, ça, on va le garder. Moteur, c'est pas la peine. Alors, attends. Tu vois. Si je place un petit pitot ici, là.
tu vois, genre comme ça là, ici de plastique là, juste là, là je le colle avec de la cyano, toi, pour qu'il tienne bien. Et après, tu vois, je le tiens comme ça 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, là, je place un tout petit pitot là. Je mets de la cyano, tout ça, je tends, et puis hop, ça se remettra pas comme ça. Hein? Et puis après, on recollera ça là, c'est pas grave, ça, c'est le. Tu vois, il vient ici là. Voilà. Tu vois? Là, il passe dans le trou là. Hop, hop, hop. Comme ça. Bon, on fait ça? Ouais, faut que je trouve un tout petit truc de plastique. On va trouver ça. Salut Jean-Luc! Salut Jean-Robert! Et après, on place bien le radiateur au centre. Yes. Salut Mowgli! Je vais chauffer avec un sèche-cheveux. J'ai déjà plein de peintures dedans, tout ça. Est-ce que ça va aller? Plutôt que mettre un petit truc de plastique, là, tu vois? Cherche dans mes trucs là, dans mes quelle heure il est? Bon, 16h25, c'est déjà la nuit quoi. Jésus, Marie, Joseph. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, il est bien, là. Tu vois? Voilà, je ne veux pas le laisser aussi grand. Je vais le couper, tu vois, pour pas que ça se voit derrière la porte, là. Mais là, comme ça, au moins, il bouge plus. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, il est droit. Ouais, c'est, y a une des barres qui était voilée, là. Je sais pas si c'est celle-ci ou celle-ci, mais elle était voilée dans le kit. Donc du coup, ça a tout. Et puis c'est le genre de truc qu'on voit bien, tu vois, à la fin, quoi. Enfin, on le voit pas trop quand on le dégrimpe. Là, je fais juste pour que ça prend bien, tu vois. On va attendre un peu. Après, je vais le couper à la pince au ras, là, pour pas que ça se voit. Ouais, c'est celui-là, je crois. Mais bon, je vais vous montrer qu'on peut, avec un peu de patience, on peut en sortir à la fin un véhicule qui sera pas mal. Hein. Ah ouais, Mister Maquette, c'est ce que je fais. Ah ouais, ouais. Salut, Propeller. Salut Jean-Pascal. Salut Jacques. Pat Jack et Patrick. Bienvenue. François-Michel, je l'ai dans mon stock. Je l'avais acheté au magasin du modélisme près de chez moi. Un modèle collector. Confisqué, François-Michel. Géolinéaire, pourquoi tu nous dis un 16? Tous les 5 minutes, tu nous dis un 16. C'est très bien, mais un 16 de quoi, Géo? Parce que tu essayes de faire comme Floppy, c'est-à-dire d'influencer les gens. Mais. Là, je peux aussi l'aider en collant ici un peu.
Bon, c'est sûr qu'on préfère tous que ça soit, tu vois, collage, assemblage, Tamiya, tout rentre parfait. Mais il y a plein de kits comme ça. Puis des fois, il y a des kits, ça vaut le coup, quoi. Enfin, là, je parle pas de celle-ci, mais. Par exemple, ben, la Dodge, là, que me montre notre ami François Michel, là, c'est une kit maquette extrêmement rare, c'est de l'étalerie. Il va y avoir aussi des problèmes pour l'assemblage, mais c'est la seule, c'est l'unique, donc et ben, c'est pas grave, hein. On trouve des solutions, on colle, on découpe, on machin. Ah bah François Michel, où tu t'y retournes un jour, vas-y, hein. Si t'en as deux, trois, tu les prends. Hein. Didier, peut-être percer le châssis, la caisse, mettre une tige en métal fait avec un bout de trombone ou autre pour redresser le châssis. Bah c'est ce que j'essaye avec le petit truc là, mais toi tu le vois là maintenant, je le vois bien, que j'ai l'œil dessus, quoi, ça. Toi, c'est. Ça part comme ça, et puis là, ça. C'est pour ça que c'est important dans les kits, hein, d'avoir un châssis, une pièce. Quand tu as un châssis, tu dégrappes et que tu vois que le châssis il a une seule pièce, c'est génial. Voilà, tu vois, j'ai mis le petit bout là. Là, tu vois, il y a autant de distance entre ça et ça que ça et ça. Par contre, là, il part en couille, là, je peux rien faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Tu vois, jusqu'à là, c'est droit. Et puis après, à partir de là, bim. Donc, voilà, là, on va mettre le châssis maintenant. Vérifie encore. Hop. Le capot. Voilà déjà, regarde comment il va mieux. Maintenant, il faut que je mette le ça là en plein milieu de ce pack. Il faut que ça soit bien centré par rapport à ça. Alright. Donc. Voilà. Donc là, il faut que je le colle. Bon, je peux dégager ça aussi parce que ça sert à rien et ça me gêne dans la lecture du truc. Bon. En fait, il faudrait que ça soit comme ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais on va y arriver.
je laisse un peu prendre comme ça, qui se solidifie un tout petit peu. Après, on va coller celui-là. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai, le plastique un peu chewing-gum. Salut Patrick, salut Dick. J'ai eu les mêmes problèmes avec l'Anomag SS100 de Tacom à 35. Ouais, quand les châssis sont voilés, c'est... faudrait vérifier en fait à chaque toit. Même s'il nous semble de bisu bien droit, il faudrait trouver, tu vois, avec un gabarit, s'assurer que ça soit vraiment nickel, tu vois. Et puis après, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été plus facile de le remettre droit en le chauffant un peu ou je sais quoi. Ou... Salut Jean-Pierre, salut Alain. Alors, ça on avait vu, Jean-Philippe, bonjour à tous, Jacques Panzer 38 LZR de chez Tamiya avec vos données coupe à bear. Super maquette, c'est du Tamiya. Yes, ah bah t'as fait l'anti-slip. Top. François Deveau, séance de gravure sur mon B52H au 144e. Ah, déjà la taille, rien qu'au 144, hein. C'est un gros appareil, ça. J'en ai vu en vrai à l'Arnaca, quand je faisais mes retours de France vers Beyrouth. Pas de plutôt de Beyrouth vers France, on s'arrêtait toujours à l'Arnaca, on avait toujours 3, 4, 5 heures. Et sur l'aéroport, on se baladait, là j'envoyais des monstres comme ça. Et je vous assure que c'est assez impressionnant. Moi qui étais grand, je passais en dessous d'un des moteurs, là je pouvais lever mes bras et je ne touchais pas le bas du moteur, quoi, pour vous dire que voilà. Entre le bas des moteurs et le sol, il y a plus de 2 mètres, quoi. Il y a 2 mètres 30, 2 mètres 40, c'est énorme. Patrick en train de monter. Le T10 de chez Trumpeter au A35, super montage, ah bah, génial. On va être 34 cm par 38, c'est énorme, hein. Au 144, hein, alors imagine la taille si on le faisait au 48, là, ce qui est notre taille habituelle pour les petits avions. C'est un avion gigantesque. Et lui, quand il décolle, je te dis pas la fumée derrière, mais c'est un truc. Et le bruit, c'est monstrueux. Monstrueux. Bah, derrière, avec les Amerlocs qui peuvent se permettre un truc comme ça. Hein, c'est... Alors c'est celui-là, oui, yes, yes, yes. Et combien il le fait, je vérifie. Hein. 54$ plus 35$ de livraison, ouais. Ça fait 100€, quoi. Celui sur eBay. Même le prix, hein, ça c'est une boîte à... Je sais pas, si ma mémoire est bonne, 15, 16, 17 balles. Hein. Tu vois? Donc là, rien que 60 balles, waouh! Pour un truc italérie, tu vois, t'ajoutes ouais, les frais de port, ça fait 100€. Quoi. Mise en place finale du diorama de l'Abrams. C'est les derniers détails les plus longs. Yes, c'est vrai. A35 RFM, bah écoute, c'est joliment représenté, hein. J'ai 4 exemplaires du Dodge WC54, je peux en vendre 2. Ah bah écoute, génial Jacques, tu as Seb et Floppy qui sont très 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 intéressés. Ils sont A35 ambulance. Ouais, mais voilà, Seb, il va t'en prendre un, j'imagine, et Floppy va te prendre l'autre, j'imagine. Génial, les gars. François Michel, j'ai dans mon stock, je l'avais acheté en magasin. Ouais, c'est celle-ci, ouais. Voilà.
Christophe, bah, qui tire le préombrage sur son petit Focool 190. Place à la MRP maintenant. Yes. Top. Ça fait un petit marbrage là, ça va être top. Alors vas-y mollo, très fin les voiles. Ça, tu vas voir, ça va faire génial ta peinture là. Ah bah là, t'as pas des photos plus petites, Biloute? Bon. Ouais, les gars, réglez ça sur Discord, mais je pense que ça va. Floppy et Seb sont intéressés. Génial. Merci beaucoup, Jacques. Bon, ok. Alors, ça tient un peu plus. Yes, allez. Puisqu'il faut y aller, maintenant, on va coller ça. Je colle ça pour être sûr de bien centrer les trois pièces, quoi, tu vois, capot et les deux plaques latérales. Donc là je vais tac tac tac, je vais préparer la surface. Voilà, bon, ok, c'est pas grave, ça je vais pouvoir le laissons prendre un peu la colle là. Ça on peut ajuster après, et ça aussi on peut ajuster. C'est pas un problème, laissons la prendre un peu. Voilà. Ça se verra pas trop, ça se verra pas trop. Tu vois, après il y a les garde-boue, j'espère que les garde-boue vont bien se mettre aussi. On va voir ça, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Là on attend un peu que la colle prenne au moins là, tu vois. Et après on ajustera par collage les deux plaques sur les côtés là. Didier, je sais que je devrais faire article dans D2M, mais pas possible car hosto. Donc question, y a-t-il un char chargé crocodile, Didier? Bah tu regardes sur le site, tu peux y aller. Je vais pas y aller pour toi, Xavier. Tu cliques sur le bouton je m'inscris. C'est pas parce que tu cliques sur le bouton je m'inscris que tu es inscrit automatiquement. Mais en cliquant sur le bouton « Je m'inscris », tu vas avoir différents boutons, dont un qui est écrit « Liste des participants ». Tu cliques dessus, et là, tu vas voir tous les modèles qui sont en cours de préparation. Donc, tu lis tout, et puis tu regardes s'il y a un Churchill ou pas. Et s'il y en a un, c'est pas grave, hein. On peut en avoir deux, on peut en avoir trois, hein. C'est pas un problème. Hein. Salut, JC. Je peux mettre un peu du kit sur Discord, yes. Ouais, on va aller voir tout ça, génial. Salut Julien, tu vas bien? Les garde-boue, c'est un peu chiant. Bah alors, si déjà c'est chiant en position normale, là, avec toutes les modifs qu'on a fait, ça risque d'être coton, hein. Mais bon, au pire, je file un coup de marteau juste là. Et puis je fais un diorama. Enfin, tu vois, le camion, il s'est pris une mine ou un obus ou je sais pas quoi. Non, on va éviter. Et on va prier pour que la pose des garde-boue juste après là se passe très très bien. Est-ce qu'il y a un dieu de la maquette? On pourrait pas brûler une petite bougie pour toi? Peut-être que le dieu de la maquette, il va dire bon. Il va brûler une bougie, donc ça va. Oui, j'ai fait, mais je veux faire un historico montage. Eh ben, c'est quoi le souci, Xavier? Pas de problème. C'est nickel. Salut, Damien. Salut, Chano, priez pour nous. Ouais. Alors, donc c'est celui-ci que tu fais, Christophe?
à 8h02. Ah ouais, chouette. Chouette, chouette, chouette. Top, Cédric. Mes deux modèles toujours sous blister. De la marque Bilek. Génial, c'est vrai que t'as de la chance. Un reboîtage qu'il avait fait avec le Ster RSO. Ah, il est original celui-là. Hein. Seulement 66 pouces. Bon les gars, mettez des petits pouces. Que la vidéo soit visible par les débutants et tout ça. Bon, on va ajuster ici sur le côté. On va commencer par celui-là. Alors, on met un peu de colle. On laisse la colle fondre un peu le plastique. On appuie un tout petit peu. Mais pas trop. Je reconnais qu'il est beau ce R2 D2. Salut Arnaud, comment tu vas ? Bien, bien, cool. Ça m'inquiète un peu ou pas ? J'ai les deux aussi, Bilek. Voilà, toi, c'est bon, c'est quand même sympa les mecs qui ont beaucoup de stock. Ils ont toujours des petites merveilles en stock, c'est toujours génial. Salut Balou ! Voilà. On va laisser prendre un peu, on va consolider encore avec un peu de colle, après on viendra faire le deuxième. Voilà, tu vois. Bon, là, il y a peut-être un petit jour, là. Mais on se dit qu'entre le vrai capot, le vrai véhicule, devait aussi y avoir un petit jour. C'est pas non plus... Voilà. Alors, on laisse bien prendre ce côté-là, et après, on va venir, tu vois, hop, le placer là, juste en dessous, celui-là. Voilà, et là, on aura bien notre truc. On a le truc derrière. Bon, il n'est pas super centré, mais avec la calandre qu'on va ajouter, là, on va pas avoir grand-chose, j'espère. Sinon, on le redécollera, on le replacera un petit peu... Ou alors on met la calandre en plastique, hein, c'est ça aussi. Hein. Parce que je vous explique, la calandre en photo découpe, tu vois, il faut la préparer comme ça et tout et tout. Donc on voit bien, tu vois, voilà. Alors que le défaut de la calandre en plastique, c'est que c'est un peu plus épais, on voit moins derrière. Mais moi, ça m'arrangerait finalement si jamais je fais ça, tu vois. On va voir, on va tester les deux. Bon, on va tester ça d'abord. Et si ça cache bien le calandre derrière, et ben on mettra une comme ça, tant pis, on ne prendra pas celle en photo découpe. Je la mettrai de côté, je la garderai après au cas où sur un autre véhicule du même genre. Quoi. Pour l'instant, on va à 1. J'ai terminé mon P38. Ah yes, tu nous mets une petite photo, Biloute ? À moins que tu n'es pas encore au stade photo, tu n'as pas encore fait les photos peut-être. Salut Patrice! Salut Fabrice, tu vas bien? Tu vas faire un peu de boire à mer? Oh, mais c'est génial ça! Tu vas pleurer avec la calandre un peu? Ouais, bah, une raison de plus pour pas la faire et mettre celle en plastique. Tu m'as convaincu le. Là, faut plus que je bouge.
On va tester avec une calandre plastique juste après. Pas de maquette, me dit François Michel, pour l'instant, pas trop le temps. Par contre, je bouquine gros livre à cas sur les dioramas. Ah, génial, ouais. T'as vu, il est top ce bouquin, hein? Pas mal de trucs là-dessus, hein. Ah. Alors, le ster de Floppy qu'il y a fait il y a quelques années. Très chouette Floppy. Un léger décalage, nous dit Hervé, au niveau des charnières du capot. Là ici, tu veux dire? Là, je peux pas faire grand chose, là, tu sais. Là, j'ai déjà pas mal de tu vois, c'est tout en tension, ce truc-là. Ça, c'est tendu, ça, c'est tendu, ça, c'est tendu. Voilà. Attends, regarde. Tu vois, là, ça passe. Imagine peinture, tout ça. Ouais, il y a un léger... C'est là que tu veux dire, hein, Bilout. Ici, là. Ouais, j'espère avec la peinture... Au pire, je ferai comme avec le SDK Z7, là. Parce que là ça passe là. Tout ça passe. Et là, bon, ça va à peu près, le radiateur, il est pas. Tu vois, mais. Michel, salut Didier, ton hood n'est pas centré. Donc tu veux dire ça? Pourquoi le fixer de la coque tout de suite? Bah, parce que c'est le hood qui tient les deux trucs là, de chaque côté. Non, là ça va, hein, je vous assure, hein, regardez. Ouais, les charnières, c'est... Attends, les charnières. C'est ça les charnières. Ben si c'est aligné, regarde. Là c'est aligné. Là c'est aligné. Et là après il va y avoir une petite pièce qui va de là à là. Et là une petite pièce qui va de là à là. C'est aligné, je comprends pas quand vous me dites que c'est pas aligné. Qu'est-ce qui est pas aligné? Salut François-Michel, bon week-end à toi, yes. Après, sur le véhicule réel, c'est pas rien, hein, c'est la guerre. Oui, on va dire qu'il y a eu un choc, une bombe a explosé, le capot. Là. Non, mais là, ça va, regarde, les charnières, elles sont bien alignées, là. Elles sont dans le même truc. Enfin, tu vois? Le bombé, oui, on bouche les derniers défauts et ressous-couche après. Peut-être le blanc pour demain. Ah ouais, il nous fait toute une série là d'avions là. C'est. Alors je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, le bombé, mais je crois que c'est les Red Arrow, hein, c'est ça, qui nous fait toute une flopée là. T'en fais 4 d'un coup, c'est ça? Alors moi je vais découper la pièce, là je suis pressé de voir si ça va aller ou pas. Je vais sortir la CE3 et après on va faire les allez la CE3 là. Ouais. On a le choix entre laquelle. Entre la CE3
Et la CE, ah, c'est comme on veut, d'accord, ok. Mais il faut couper là sur le côté, d'accord. Bon. Alors, je prends celle qui est la plus, tu vois, celle-ci là. Hop, voilà, je prends celle-ci. Là. Tu vois? Il faut couper ça, on va le faire après. Ça là, right. Ok. Vous avez aussi une déformation de la caméra. Regarde la porte, toi. Vous voyez pas ce côté-là, vous voyez le côté-là. Ça veut dire que la caméra, elle est centrée par là. Si je le mets bien droit, ça fait à peu près ça, quoi. On voit le décalage ici, exactement. Mais bon, avec la calandre, j'ajouterai un détail, une corde, là, peut-être, pour... On va voir aussi avec les garde-boue. Tu vois là, la caméra elle est pas droite, droite, droite. Hein. Tu sais, moi je suis pas. Ma caméra elle est pas fixée avec un. Enfin, j'ai pas calculé avec un niveau à bulle que ça soit bien droit et tout. Hein. Il y a aussi la distorsion de l'objectif, etc. Enfin, tu vois. Didier, c'est notre patrouille de France à nous. Ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Merci Didier pour l'info. Jean-Philippe, problème avec mon aéro? Go Helper, alors ça je sais pas du tout ce que c'est, galère, la petite gâchette ne remonte plus, difficilement interrompu. Ah, je peux pas t'aider, je sais même pas ce que c'est comme aéro. Petite gâchette, t'as bien nettoyé et tout. Salut Sébastien, salut Jean-Luc. Avec des petits points de colle blanche, Nidal. T'en mets pas beaucoup, là, 4 petits points, tu vois. Et après, ça va sécher, ça va tenir. Et puis, quand tu vas décoller, il suffit d'insérer une petite lame, tu sais, de comme ça, très fine, là. Tu vois, puis, clink, tu bouges un peu et la barrière, elle saute, tu vois. Bon, alors, attends, je regarde comment ça se place, ce truc-là. C'est qu'à simplement poser comme ça sur le truc, quoi. Voilà. Donc, on va regarder ça. Ça va, tu vois le radiateur derrière qui est pas... Ça le fait quand même, non? Ça va. Tu vois, plutôt comme ça, là. Je vais pas le coller pour l'instant, hein. J'attends, je vais coller les garde-boue d'abord. Mais tu vois, ça le fait, ça va. Là, je crois que je vais enrouler une chaîne là-dessus. Une chaîne rouillée, là, tu vois, pour... déséquilibrer le truc, on voit pas qu'il y a un décalage. Non, mais pas tout le long. Non, tu mets 4 petits points, tu vois. Salut Ange. Tu vas bien Jean-Luc? Et Sébastien, vous avez la forme? Voilà, on va mettre le... On va mettre les garde-boue maintenant. C'est le dernier truc un peu galère. Voilà. Alors, c'est la pièce A64. Et
Ah, 65, on va mettre là. 65 d'abord. Je sais pas pourquoi, mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, 1,64, 1,65. Alors, je vais préparer la pièce tranquillement. Une corde ou un truc, enfin, tu vois que ça... Jean-Philippe, moi aussi j'avais un Goelper aussi, j'ai eu le même souci que toi un jour, et en réalité c'est parce que j'avais mal remonté l'aéro, un joint était pincé. Merci Nidal pour l'info. Ah, t'as reçu tes piquilles, Floppy? Ah, génial. Tu vas voir, c'est très fin. Alors, fais attention, c'est fragile, hein, c'est pas non plus... C'est assez fragile comme truc, hein. Mais tu prépares ton petit puff là avec les petites bougies, les petites machins. Je sais pas ce que tu utilises comme pour mettre ta colle. Tu prépares toujours une petite bougie aussi à côté, tu vois, pour brûler le bout là, tu vois, pour que le bout soit toujours bien fin. Et là, tu as un poste de PE qui est maximisé, qui est au top, quoi. Deux petits plots, faut pas les enlever, c'est pour les plots qui s'en fichent dans le capot moteur là. Voilà, bon, allez mon Didier, courage, normalement ça va le faire. Normalement, ça s'en fiche ici là. Oh là 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 là. Ouais, bah c'est bien ce que je pensais, hein. ça va pas du tout. Alors de ce côté-là, ça va pas. Tu vois? Là, ça va sur le côté de la caisse, là. Voilà, je vais pouvoir le coller bien comme il faut. Ou alors je le détache. Je le coupe là. Je colle d'abord ça. Voilà, là il est bien, là, celui-là, nickel. Parce que ça, celui-là, là, il doit venir en dessous, comme ça. Ouais, il doit être placé un peu comme celui-là, quoi. Genre comme ça, quoi. Tu vois? Bon, on va faire l'autre côté. On va voir si c'est le même problème. L'autre côté, c'est le... 64, je dis ça parce qu'il y en a encore deux, donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. 64, c'est celui-là. Bon, on va se faire une petite tisane quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Hop. Maintenant,
Ben celui-là, nickel. Tu vois, de ce côté-là, il est parfait. Tu vois, il n'y a aucun problème. L'autre, par contre, bah ouais, il y a un petit souci. Hein. Ça. Pas grand-chose, hein. Je me demande si en coupant là, juste en bas un peu, ouais, je crois que c'est là que ça va merdouiller. Alors attends un peu, je regarde un peu si je peux le faire, ça. Je viens d'avoir une idée lumineuse, là, mais... Ouais. Yes. Ouais, moi, j'hésite jamais à couper charcutier. Hop. Déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Parce que là, tu vois, une fois qu'il sera bien fixé ici, là, il suffit juste que je fasse ça et hop, ça y est, c'est bon. C'est parfait. Donc voilà, c'était le petit bout là qui gênait là. On s'en fout, c'est en dessous, on va pas le voir. Et puis là, je vais couvrir de bouillasse, je mettrai plein de boue, on verra rien du tout. En dessous, là. Puis il y aura le pneu et tout. Trop bien. Donc là, je peux coller ça. Allez, on y va, les gars. Voilà. On va d'abord préparer le plastoc comme ça. Voilà, on le laisse pendre un peu. Là, c'est mis tout seul bien comme il faut, tu vois, c'est bon signe, non, c'est bon signe, on va le coller tout de suite, allez zou. Voilà, faut pas le noyer dans la colle, hein. Quand je dis ça j'exagère, mais bien le coller, on va laisser bien la colle là pendant qu'on prépare le petit thé, le petit tisane pardon, voilà, tu vois, et on sait que l'autre côté il va bien, et là il s'est bien mis grâce au petit bout que j'ai coupé là. Au final, ça va le faire quand même, quoi. Top, top, top. Plus de peur que de mal. Bon, les gars, je vais préparer un petit thé. Petite tisane, ah, bah, décidément. Faut que j'arrête de dire thé, parce que après, les gens croient que je bois du thé et je bois pas de thé. Ce qui n'est pas grave de boire du thé, hein. Ce que je veux dire, je par expérience, au tout début de ma chaîne, je disais souvent, bah, comme maintenant, un thé à la place de tisane. Et puis un jour, j'ai un gars qui me dit, bah, Didier, je suis pas loin de chez toi, je suis à la gare de Lyon, est-ce que je peux passer à l'atelier? Bah, bien entendu, bien sûr. Donc il est venu me rendre visite, c'était sympa d'ailleurs, bref. Mais il m'a apporté une jolie boîte de thé, parce que j'avais dit thé plusieurs fois. Voilà. Et j'ai accepté, je le bois encore, il est encore là, le thé, du thé noir, j'en bois de temps en temps, mais je ne bois pas de thé, voilà. C'est pour ça que je dis ça. Ce qui ne veut pas dire offrez-moi du thé, hein. Du café ou je sais pas quoi, enfin des tisanes. Non. Je veux rien du tout, tout va bien, merci beaucoup. Voilà, c'est juste au cas où. Comme l'a dit Sub57 en temps de guerre, les véhicules ne sont pas montés au millimètre près. Oui, il doit y avoir des petits jours, quoi. Non, mais là, je t'assure que toi, de visu, ça va. Et vous verrez quand il y aura la couche d'après, ça va enlever tous les petits trucs là, tu vois. Comme là, tu vois, on voit une petite trace à cause de la pince qui était un petit peu machin. Mais on verra plus tout ça et vous verrez que ça fera. Toi, il y a des écarts là de voilà. Vous verrez que ça sera nickel à la fin. On va éditer. Non. Pas de thé, pas de tisane, rien. Tout va très bien, mes amis. Merci beaucoup. C'est parce que vous êtes trop gentils. Vous avez le cœur sur la main. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, merci beaucoup. Voilà, bon, on se fait la petite tisane,
Ok. Allez, à tout de suite, les gars. Hein, je sais pas, 5 minutes, même pas. Ah bah la propagande blindée, hein, dès que je suis pas là. Hein. C'est dingue, hein. Chaque modèle de blindé propose un camouflage particulier, on ne se lasse pas des blindés. Bah les avions aussi. Chaque blindé a un type de chenille différent. Chaque avion a un type d'hélice différent. C'est une verrière différente, tout différent. Bon, là, tchabatcha, regarde. Jean-Luc nous a mis à l'avance doucement sur la 1, la H1 Shark Mouse. Très joli.
Ouais, très chouette. Bravo Jean-Luc. Bon, alors. Allez, l'autre côté maintenant. Ah, vous allez voir, après on va mettre les roues avec un peu de post-it là, voir ce que ça donne. Viens ici, toi. Un blindé dans un avion. Ah, l'hélico là? Là, il est parfait. Tu vois? Gueule un peu plus séché, on va mettre la grille après et on va mettre les roues. Alors après la série Martine à la tatata, nous avons un blindé dedans qui nous est présenté par Floppy. Salut le culu, comment ça va? Je mets un tout petit peu de pâte à fixe là, dans mes roulettes. Après, je vais mettre la caméra là que vous puissiez le voir. Je vais faire une photo. Ben, je vais faire une photo, ça sera mieux. Oui. Je vais vous faire une petite photo. Que vous puissiez le voir autrement que d'en haut, comme ça. Il est où mon appareil photo? Petit. J'envoie ça sur voilà Discord. Je vais en faire un deuxième genre comme ça. Ok. J'envoie la source. Voilà. Et on se balance sur voilà. Ah bon, on va d'abord regarder celle de Floppy pour montrer à Neidel mon Panzer 3 16e avec qui je me suis régalé. Ah ouais, il est énorme, hein. C'est une sacrée pièce, hein.
Théophile, salut, je rentre du resto, c'est mon anniv. Bon anniv, Théophile. Ah ouais, c'est très chouette. Oh, c'est une belle bête quand même. Hein. Top, donc voilà. Tu vois, voilà, tu vois, ça passe. C'est nickel. Avec les roues, les roulettes. Voilà, imaginez avec sa petite calandre. Là. Voilà les portes, tu vois le haut là, il y a un petit jour, mais les portes seront ouvertes après, hein. C'est pas très grave. Hein. Tu vois, là, je vais mettre une corde, une chaîne, là, je sais pas quoi. Tu vois, on a bien rattrapé le coup quand même. On voit pas trop qu'il y a un petit écart de 2-3 mm là. Tu vois? Voilà. Top, top, top. Bon. Bon. On va avancer encore un peu. On a le temps. On n'est pas pressé, on est en vacances. Enfin, moi en tout cas. Alors, on va coller la calandre. Let's glue the calendar. Attends. Là, ils disent de mettre ça. Là, ils disent de mettre les petits phares. Bon, on va les mettre après, mais je vais faire le gros œuf, moi, d'abord. Tac, 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 là, on s'en fout. La calandre, yes. Et après la calandre, on colle quoi? Bah, le capot, c'est déjà fait, moi. La roue de secours, non, on va la faire à part. Les petites attaches, oui, ça va pouvoir. Ah, puis c'est fini après? Ah, l'arrière, il est comme ça. J'ai jamais fait gaffe que l'arrière, il était comme ça. Avec son cul tout nu, comme ça, là, tu vois. Je pensais qu'il y avait un truc qui continuait comme le garde-boue, là. Ok. Bon, bah, on a bientôt fini, alors, du coup. Alors on va coller la calandre et après les phares et après tout ça. L'écart, ouais, on le voit pas. Tu vois, si je fais un... Alors attends, on va essayer de bien mettre droit par rapport à la cam. Bon, faites pas gaffe les roues, je les ai collées au... Alors c'est normal qu'elles soient pas droites, hein. Tu vois, bon, on va essayer de les mettre droit. Bon, ok. Voilà. Et tu vois là, regarde, là, il est relevé un peu le truc. Là. Tu vois ça là, voilà. Et là, il y a quelques millimètres en plus. Là, ici. Pas beaucoup, mais voilà. C'est comme ça. Je pense qu'on ne le verra pas quand ça sera, tu vois. Allez, on va coller ça donc. Alors, salut Philippe. Non, après, tu sais, moi je pense à partir du 15 décembre, là j'ai toutes les photos à trier, Coco, hein, Gérald. J'ai toutes les photos à trier du concours 2023. J'ai des vidéos à préparer. Oula. Puis après, il y a les fêtes, hein, donc moi j'ai la famille qui arrive vers le 20, donc je serai plus dispo après. On est déjà pratiquement le 10, là. Ça va aller vite, hein. Tu vois, là, regarde, on le voit bien. Hein. Là, Oups. Là, c'est bon, tu vois. Là, par contre, ça monte. Bon, on pourra dire que le pare-choc, il a pris un coup dans le... Tu vois. Faut que je le place vraiment bien avant de mettre de la colle parce que.
Voilà. Hop, laissons le prendre un peu. On va préparer les phares et tout ça. BC3 et BC12. Des raclettes défendues. Ah, ça va être le 15, là, la raclette fondue, là. Ouh là, ça me fait peur, ça. Je vais pas manger le 13 et le 14. Et sûrement le 16 aussi. Et puis, il faut que tu passes chez chaque souscripteur pour faire un bisou. Oh là là, dis donc. Ça va m'en faire des kilomètres. Guillaume, quel idiot, ça fait 30 minutes que je crois être sur un direct. Alors que je suis sur une rediffusion. Ouais, il faudrait peut-être que je marque replay devant chaque truc pour que tout le monde comprenne bien. Alors, les petits phares. Donc, je dis c'est BC, yes. BC, 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 BC. C'est ça. Les BC. Et bah, tout est là-dessus, je crois. Il y a même les petites... Là, je sais pas ce que c'est, par contre, j'ai cru que c'était des trucs. On les a même pas utilisés. Bon, alors les phares, c'est ça. Ce qui est étrange. Ok, ok, ok. Alors. Alors, voilà, Jésus, Marie, Joseph. Ah, ça y est, j'en ai un. Non, si, oui, non, oui. Le petit bout là que je garde quand même. Ça va être dit, bah oui, comment je vais faire moi en douille? Ah merde! Parce qu'il faut que je peigne l'intérieur un peu, tu vois. Si je les colle là maintenant, ici, comme ça en place, comment je vais mettre la partie vitrée? Ça va être galère. Ou alors je mettrais de la résine. Ah, 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 ah. Je mettrais de la résine. Mon pseudo est absent de la liste qui défile au début et fin du direct. Est-ce normal? Tu t'es inscrit quand, JP Moscou? Tu vois, les gens tiennent hein, à ce que ça soit sur le générique. Ce qui est bon signe. Ce qui est bon signe. Sûrement parce que tu fais des avions. Bonsoir à tous, plus 3 heures ici. Ah yes, bah oui, bah nous il est ouais, 16h, 17h, 17h30. Non, parce que je n'étais pas inscrit depuis longtemps, je fais pas la mise à jour tous les jours, hein, je le fais 2 ou 3 fois par mois. Tu sais, aller chercher tous les noms, les remettre dans le fichier du générique.
C'est quand même une petite manip, ça me prend un peu de temps. Du coup, je le fais, ouais, 2 ou 3 fois par mois. Oh, viens ici, viens ici, viens. Ah, ça va. Gentil, gentil, gentil. Tu t'es posé juste là. Donc, ça va. Ok, là, ça va. Donc, on va faire... Est-ce que ça tient avec le stylo, là ? 2 ou 3 jours, oui, ben c'est pour ça, Moscou, oui, c'est pour ça. Tu vois, que c'est quand même du taf, hein. Faut que je sorte un fichier Excel, que je le scie, que je le lave, que je le remixe dans un programme spécial qui s'appelle CC Maker, là, je sais pas quoi, et puis que je réintroduis la vidéo dans le... Enfin, c'est tout un truc. Donc je le fais, ouais, 2 ou 3 fois par mois, ça dépend. Et là, je l'ai pas fait depuis, ouais, une bonne semaine, donc faudrait que je le refasse pour tous les nouveaux, là. Il y en a eu beaucoup là ces dernières semaines là, depuis l'annonce du projet. Ah les gars, oui, alors ceux qui sont les souscripteurs, vous qui êtes sur Discord, écoutez bien. Vous savez, dans la partie documentation Normandie 80, j'ai appris qu'il y en a beaucoup qui croyaient que les images qu'on met là, des magazines, des documentaires, tout ça, des livres, c'était juste des images de la couverture pour vous insister, vous inviter à acheter ces livres. Pour vous faire voir que ce genre de livre existe. En fait, pas du tout. Ce sont des fichiers, vous pouvez cliquer dessus, vous les téléchargez sur votre disque dur et vous pouvez lire ces livres. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, fais un blindé et tu seras 2 fois dans la liste. Christophe Lamy, il faudra un QR code pour bouger dans Paris pendant quoi ? Bon, alors on va essayer de coller le premier. Une pointe de colle sous le phare. Évidemment, évidemment. Il faut y aller très délicatement. Nettoie ça parce qu'il y a un peu de colle dessus. Là, on viendra en mettre avec un toit quand ça sera bien sec et quand tout sera fini, bien sûr. On viendra mettre une petite goutte de résine. Et là, il y a un tout petit truc ici, là, à côté. Alors ça, je sais pas, ça va être quelque chose. Pendant les Jeux Olympiques, pourquoi il va falloir un QR code? C'est une blague que tu dis ou tu as lu ça quelque part, Christophe? Pendant les Jeux Olympiques, ça m'étonnerait ça. Attends, on n'est pas en... Il fait de la propagande, hein. BC12. Alors, BC12, c'est où le BC12? Ouh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les petits phares comme ça, là? Regarde-moi ça, on dirait une crotte de mouche. Vous voyez le petit truc là, hein, ça on dirait un... Ah là 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 là. Ah, ça,
Certains carnets de Paris ne sont accessibles qu'avec un... Qu'est-ce qu'ils nous font, bah alors, putain, je vais être poli, mais... Qu'est-ce qu'ils nous cassent les doigts? Vous voyez, si on était dans un univers, dans un monde normal, avec des gens normaux, et bien intentionnés, des gens amoureux de... Enfin, tu vois, du bien vivre ensemble, et voilà. Et pas des gens qui pensent qu'au fric, et ben les Jeux Olympiques, là, on les annule. Ou on les reporte à 2028, à 2030, à 2035, on s'en fout, c'est juste des mecs qui courent. Tu vois? Mais il y a tellement de fric en jeu qu'ils ne peuvent même pas envisager ça. Tu vois? Donc il y a un gros risque d'attentat, effectivement. On est deuxième sur la liste mondiale des pays où les terroristes, peu importe de quel bord ils sont, veulent foutre une bombe en France. Donc tu penses bien que les Jeux Olympiques, c'est génial. Ils vont pouvoir, tu vois. Et bien là, si l'être humain était au centre de toutes les préoccupations de tous les hommes politiques européens, on aurait reporté les Jeux Olympiques. C'est pas grave, c'est du sport, bordel de plouc. Tu vois? Mais là, non, on peut pas, parce qu'il y a trop de fric. Donc on va risquer l'attentat, on va risquer. C'est pas grave de toute façon, parce que eux, quand ils vont assister à des matchs, messieurs les politiques, là, ils vont être dans des trucs blindés, donc ils n'ont pas de risque, voilà. S'il y a un attentat, qui bah, ça va être comme il y a eu le Bataclan, c'est nous, le petit peuple, qui va en prendre plein de pruneaux dans la gueule. Tu vois? Et eux, après, ils diront, ah, mais quelle honte, c'est dommage, non au terrorisme, tu vois? Bande d'abrutis, va. Ça y est, excusez-moi, hein, c'était mon petit quart d'heure. Et c'est là qu'on voit qu'on vit dans un monde où l'argent est au-dessus de tout, au-dessus de la vie humaine, tu vois? C'est-à-dire que là, vu le contexte, on aurait dû dire, ben, on reporte les Jeux Olympiques jusqu'à... Tu vois, 2025, 2026, peu importe, on reporte. Tant qu'on est en alerte attentat, il devrait y avoir une loi comme ça, tant qu'on est en alerte attentat grave, pas de manifestation sportive. Pas de Coupe du Monde de rugby, pas de Coupe de ci, voilà. Mais là, non. Ah. Oui, Julien, c'est pas faux, mais enfin... Tu vois, c'était les gens se rendent pas compte. Quand on vit dans un truc et puis on se laisse faire comme ça... Ça veut dire que sous la menace terroriste, on reporte et on annule tout. Non, oui, non, mais on annule parce qu'il y a un risque. Comment il s'appelle? Fig. East. Voilà, si tu avais ta petite fille, ton petit garçon, ta femme qui se serait fait tuer au Bataclan, tu dirais pas ça. Tu vois? On s'en fout de cette espèce de truc de dire « Ouais, mais moi, voilà, on est français, on est fiers, on veut pas baisser notre froc devant les terroristes. » On annule l'événement, on le reporte, et on va bousiller ces mecs-là, mais en vrai, on y va, quoi. Tu vois? Et après, quand le niveau baisse vraiment, machin, que, bah, là, oui, on peut faire tout ce qu'on veut. Des coupes du monde de rugby, de football, de danse aquatique, de lancer le melon, vous faites ce que vous voulez, mais on peut pas risquer de... Enfin, tu vois? Et ouais, et à cause de qui la menace, elle est constante? C'est à cause aussi des politiques français et européens, hein, on n'arrête pas d'ingérer dans ces pays-là. On se mêle de tout. Tu vois, on va se mêler d'histoires de pays qui sont à l'autre bout du monde et on leur donne la leçon et ça crée des tensions et on leur vend des armes, on leur vend des trucs. Et après, quand ils sont pas contents qu'ils viennent gueuler, faut éviter de mettre son doigt dans le cul d'un tigre. Je sais plus qui c'est qui avait dit ça à la politique là. Voilà. C'est normal que quand tu mets ton doigt dans le trou du cul d'un tigre, qu'à un moment, il se retourne et il te griffe. C'est ce que recherchent les terroristes. Ouais, mais à ce moment-là, enfin, tu vois, c'est pas... C'est Fig East, pardon, excuse-moi, ton pseudo est pas facile à prononcer. C'est pas une question que le terroriste gagne, tu vois, on s'en fout de ça, c'est que tant qu'il y a des vies humaines en jeu. Parce que bien sûr, il y a des risques qu'il y a zéro attentat. Regarde la Coupe du Monde de rugby, il y a eu zéro attentat.
Bon. Donc, évidemment qu'il y a une chance qu'il n'y ait pas d'attentat. Mais imaginons qu'il y en ait un. Il y a quand même un risque, puisqu'on est en alerte, attentat, machin. Bon. Qui va y passer? Ben, ça va être nous. Tu vois, c'est le peuple qui va prendre. Et puis là, il y aura quoi? 10 morts, 50 morts, ou comme la dernière fois, 150 morts? Donc on fera des manifs pour dire non au terrorisme, on fera des manifs pour dire vive la paix, l'amour entre les gens. Mais ça change quoi? On fait ça. Depuis les années 80, il y a des attentats. Il n'y a rien qui change. On a beau faire toutes les manifs qu'on veut, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai connu des tigres qui n'auraient pas été contre. Bon, voilà, j'ai collé un premier petit phare, là, machin. Plus de musique. Ouais, les musiciens, là, oh! Ouais, ouais, bah, au prix que je vous paye, les gars, faut y aller, là. Tout le temps qu'il y a un direct. Right? Allez, go. Voilà! Et on va mettre les refaire un petit tour tout à l'heure sur Discord. Il y a des petites photos sympathiques. On va d'abord coller les deux l'autre phare de l'autre côté. Hein? Oui, non, mais c'est de la folie, là, un QR code. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se balade avec un téléphone. Mais le mec qui a pas de téléphone. Moi des fois j'ai envie de les faire chier, de dire que j'ai pas de téléphone. Tout se fait par téléphone, smartphone maintenant. Donc tu vas te promener dans Paris, tu vas dire tiens je vais aller... Ben non monsieur, vous avez votre QR code, non? Ben vous pouvez pas. Tu sais, on va arriver tout doucement, petit à petit, comme dans le film là, 84 machin, là, je sais pas quoi là. Et comme on y rentre tout doucement, c'est comme la... Comment on appelle ça? Oh putain, non, on est sur YouTube quand même, merde. Je peux pas dire des trucs pareils, hein. Mais c'est comme la... quel terme je pourrais employer? Coluche qui disait ça, il avait fait un sketch très... Non, c'est pas Coluche, c'est comment il s'appelle, l'autre. J'aime pas beaucoup, d'ailleurs. Bigard, mais... Enfin, j'aime pas beaucoup, j'aime bien, mais... Coluche? Oh, je me rappelle plus. Qui c'est qui faisait ce sketch? Je crois que c'est Coluche. Non, je crois pas que c'est Bigard. Où il expliquait la différence entre la droite et la gauche. Vous vous souvenez pas? Il disait que lui préférait voter à droite, malgré qu'il était de gauche. Ah, il disait ça après Mitterrand. Hein. Tu vois, je ne sais plus si c'était à 85 ou 86, ça a quelques temps avant qu'il meure, là, le pauvre. Il disait parce que la droite, lui disait que de toute façon, les politiques, on se fait toujours ENCU, voilà, tu vois, en papaouté. Voilà, on va dire ça, en papaouté. Donc il préfère... C'est la droite, parce que la droite, il sait qu'il va se faire en papaouté. Donc, il serre les fesses. Il serre très fort. Et du coup, quand le papaoutage arrive, ça rentre que 2 cm, quoi. Parce qu'il a bien serré les fesses. Alors que quand c'est la gauche, tu te détends. Tu te dis, ben là, je ne vais pas me faire en papaouté. C'est des socialistes, moi, je suis un petit ouvrier, c'est bon. Tu vois, détendons-nous. Donc là, tu es tout à fait détendu. Et là, ça rentre de 40 cm, quoi. Voilà. Donc il faut mieux voter, tu vois, là, tu sais que... Alors, première fois que j'entends parler de ça, et pourtant j'écoute beaucoup les infos à la radio. Ouais, moi j'ai pas envie non plus, mais bon, après tout... Peut-être que c'est juste aux alentours de, tu vois, quand il va par le Stade de France, je prends un exemple, je sais pas, à 500 mètres autour du Stade de France, il va falloir avoir un pass, quoi. C'est peut-être ça que ça veut dire. Ultra Death Player, pour décoller des pièces collées, j'ai vu sur le net une astuce. Il faut remettre de la Tamiya colle et les pièces se détachent, mais bon, maintenant le plastique ne colle plus si on veut le recoller. Le plastique ne colle plus si on veut le recoller. Bah, il faut le relaisser sécher après, non? Ouais, non, il est trop gorgé de trucs, peut-être.
Ne votez pas Mélenchon. Ah bah là, là, là. Là, les gars, pour ça, il n'y en a aucun. Ouais, c'est ça qui est le bordel. C'est qu'il n'y a aucun leader charismatique, tu vois. Un mec qui emporte une cohésion, tu vois. Ça fait des années que la politique, c'est comme ça. C'est, tu dois choisir entre le choléra, la peste, le sida et le... Tu vois, et voilà, que des... Je ne veux pas voter Mélenchon, mais je ne veux pas non plus voter Le Pen, et je ne veux pas non plus voter... comment ? Tonton Sarkozy, je ne veux pas non plus voter Macron. Je n'ai pas non plus envie de voter Zemmour. Voilà. Bien droit. Ah. Voter floppy. Voilà, c'est ça. C'est vrai, sa mère de Paris, non, elle se présentera pas. Je pense pas que c'est son but. Ouais, ça, pour aller au boulot, c'est pas mal, tu vois. Ou pour aller aux réunions de maquette. Parce que là, je peux en mettre du matos dedans, tu vois. Déjà, tout le monde va me laisser passer. Puis là, derrière, je peux mettre, tu vois, voilà, mes boîtes, mes machins, compresseurs, aéro, tout le bazar. Et là, un gros logo Plastic Dream. Yeah. Bon, on va coller l'autre petit truc, une espèce de petit phare... Comment on appelle un petit phare? Une farounette, c'est ça? Hop. C'est vraiment petit, petit, petit. Je sais pas ce que c'était. C'est une petite lumière d'appoint, un petit clignotant. Je sais pas, c'est bizarre. Salut, Dolidance 66. Votez bien, votez rien. Ouais, mais je crois que moi, c'est le prochain coup, ça va être ça. Si ça n'a pas changé d'ici là. Et donc, nous dit Figist Wargame. WW2, Seconde Guerre mondiale, Bolt Action, Figurine War. On sait pas ce que c'est. On fait pas de ça ici. J'ai pas dit que parmi les souscripteurs et mes abonnés, il n'y en a pas qui l'en font. Hein. Voilà, je dis que c'est pas une chaîne de où on fait ce genre de choses. Et en plus, vu que tu n'as pas de moteur, tu as un véhicule écologique. Exactement. Là, c'est bio, là. Alors, on va mettre une petite pointe. Feu de blackout. Ah, d'accord. Ok, merci. Feu de blackout. Donc, quand il y a une alerte, un truc comme ça, c'est ces feux-là qu'on allume, quoi. Voilà. Bon, les feux de blackout, comme tu dis, ils sont en place. J'imagine que tu feras un direct pour le concours 2023, mais à peu près vers quelle date? Pas en semaine. Ah non, non, je ne ferai pas ça en semaine, Bilou. Là, je m'assurerai que tout le monde soit là. Je ferai une annonce plusieurs jours avant. Un samedi après-midi, un samedi soir, un dimanche après-midi, je ne sais pas encore, mais... Alors, peu importe, quand je le fasse, il y aura toujours un ou deux gars qui seront au boulot, parce que infirmier, parce que ambulancier, parce que de garde, ou je sais pas quoi, mais enfin, faire en sorte que le maximum soit là, quoi. Salut Arnaud, comment va? Oh, il y a encore trop de belles photos, là. Merci les gars. Alors, Jean-Philippe, projet de canon 88 mm, pardon, je fais les arbres pour les mettre sur le talus 1.35. Ça va être Jean-Philippe, ça c'est une maquette Tamiya. Top top. Gérald, mettre 2
Oula. Peinture de l'entouge, du diorama, un char dessus et fini. Oh, sympa! Dis donc! Ça mériterait une plus jolie photo, ça, Gérald. Tu vois, bien du haut, qu'on voit la cabane et tout, là. Comment c'est bien... T'as super travaillé la végétation, là. Ouais, Arnaud, j'avais laissé un message, tu te souviens? Parce que j'ai un gars qui venait cet après-midi à la maison pour réparer, enfin vérifier les fuites et tout dans l'immeuble, tu vois, dans la résidence, là. Donc je croyais qu'il devait passer tout l'après-midi là, puis il est resté une heure finalement, donc j'ai pu me libérer, donc hop, m'inquiète. Bon, après, Jacques, ah génial, W54 ambulance, 3D avec moteur. Ah génial! Top, top, top. Ah ouais, c'est génial, ça. Bon, t'as du boulot en décrapage, tout ça, hein. Faut y aller mollo, mais... Génial. Quelle marque, ça, ça fait, ça? Fabriqué en... je sais pas. Belgique, hein? Pas la Belgique, ça. Carpio, mon petit MR35 terminé sur une vignette dont je me sers souvent, ouais, pour nous montrer. Mais c'est génial, ça. C'est très bien cette vignette que tu as fait comme ça, que ça tourne pour présenter tes modèles, c'est trop chouette. Pas de marque, Jacques? Ah, d'accord. Ça commence à ressembler à quelque chose. Génial! Tu vois, c'est génial ta présentation, Carpio, bravo! Ah, c'est Neidel avec son Tomcat. Avec les Quinta Studio, là, les petites planches. Très, très chouette. Bravo, Neidel. Ouais, ça a l'air trop sympa, ton truc, là, Gérald. RLM76 passé, je pense que ça, je peux arrêter là. Ouais, bah oui, mais là, pourtant, tu vois, on voit encore tes traces de pré-ombrage, là. C'est le principal. Oui. Gérald, vu du dessus, voilà, c'est ça que je voulais voir. Oui. Chouette. Fait maison avec mon pote. Ah bah génial, Jacques. Top, top, top. Undrafted player. J'ai regardé sur le net le Bolt Action Wargame. Paraît un super hobby. Ah oui, c'est un truc absolument génial. Et tout ce qui est Warhammer, tout ça, tu peux jouer et tout avec, peindre tes trucs. Et c'est un monde fantastique, ce truc-là. Mais moi, j'en fais pas ici sur ma chaîne. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui en font, qui peignent et tout ça. C'est génial. Top, top, top. Génial. Bon. Ah, vous m'avez remotivé, les gars, là, avec vos belles maquettes, là, que vous m'avez montrées. Donc, on va terminer ça. Donc, oui, on va mettre les petits BC-11. C'est les petites choses, là, pour tenir le capot en place. Je sais pas comment on appelle ça. Chose comme ça là, petit crochet là. Equinox, bon, je vous laisse, je vais aller faire un tour au marché de Noël. Yes, dépense pas trop de sous, hein. Fais attention. Allez, petit, il est là. Thank you.
Voilà. Un QR code pour aller aux toilettes. Bon, alors, maintenant. On y va les gars. Comment on va faire ça? On va d'abord le poser, je pense. Je regarde dans quel sens ils me disent de le poser. C'est le grand petit béquet avant ou après? Ok. Ça. Voilà. J'ouvre, on va celui de l'autre côté. Bientôt l'apéro. Ouais, à 18h. Apéro bio, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Il y a les essuie-glaces, bien évidemment. Alors la roue, elle vient se mettre là dans un espèce de trou. D'accord ? Il faut d'abord préparer la roue. All right. Donc la roue. A2, A5. On va préparer la roue de secours. Didier, tu avais mastiqué des pastilles sur le châssis de la MTB, elle se voit après. Ça dépend lesquelles. Il y en a beaucoup que j'ai pas mastiqué. Certaines, oui, je faisais. Tu vois, je regardais dans la notice de montage, j'essayais de deviner ce qui se voyait ou pas après, une fois tout refermé. Et toi, tu vas laisser toutes les portes ouvertes ou fermées, Seb? Maintenant que tu rajoutes des boutons, mais pourquoi tu dis ça? Rajoute des boutons. Cache de Noël. Bah non, écoute. Qu'est-ce qui te fait penser que je... Si t'avais un âne avec un mec avec une longue, tu vois. C'est quoi, c'est le personnage? Je sais pas qu'est-ce qui te fait penser à la cache de Noël. Moi je trouve pas que ça fait ce cache de Noël, hein. Perso. Thank you.
Rajoute des moutons et ce sera parfait. Quel enculé les vaches. Le mec en vert au fond là avec ça, ça. Oui. Bah oui, tu peux l'enlever lui, tu vois. En plus, tu vois, on voit que le gars là, il a la manche courte et tout, il doit faire chaud. Alors que l'autre, il a son gros truc comme en hiver là. Donc le mec avec sa grande, son gros manteau capote, là, tu peux l'enlever lui peut-être. Tu vois. Et non, on ne rajoute pas de moutons. Une vache à la rigueur pour être sûr. Oh, ne pas oublier l'âne, yes. Ah, les écoute pas, ça ressemble pas du tout à une crèche, moi je trouve pas. Qu'est-ce qu'ils sont faits? Oh là là les gars. Oh bah j'ai dit pourquoi tu bailles comme ça. Alors vous avez regardé la nouvelle série sur Netflix, hein, la série sur la Seconde Guerre mondiale en 6 épisodes là, qui vient de sortir, elle était disponible à partir de jeudi, là, jeudi dernier. Moi ça y est, je l'ai regardé en 2-3 fois là. Bah écoutez, rien de nouveau, hein, ils oublient des trucs. Hein. C'est une série anglo-américaine, donc bah oui, la France, elle est un petit peu. Ils parlent pas beaucoup de tu vois, des trucs quoi. En 40, ils disent carrément que les Allemands rentrent en France sans aucune résistance. Ils parlent pas du tout des batailles qu'il y a eu et des 100 000 morts français. Et des actes héroïsme qu'il y a eu de la part de l'armée française. Dunkerque, ça s'évacue par miracle. Ils parlent pas du tout que les Allemands peuvent pas rentrer en Dunkerque parce que des compagnies françaises se sont sacrifiés pour bloquer les Allemands pendant que l'évacuation a eu lieu. Pas un seul mot. À les écouter, c'est... Les Allemands se sont arrêtés autour de Dunkerque pour faire un pique-nique, et eux, ils en ont profité pour rentrer en Angleterre. Après, le reste, c'est sympa. Bon, il y a des... Comment ? Ils ont tout... Tous les films ont été recolorisés, donc bon... Ça donne un regard un peu plus, tu vois. Même si j'ai trouvé qu'il y avait certains, notamment dans le Pacifique, là, qu'ils avaient un peu trop forcé sur le bleu des... Enfin, tu vois, les véhicules, tout ça, je les ai trouvés un peu trop bleu, ben, bleu trop spécial, quoi. C'est pas une mauvaise série, hein, c'est juste qu'ils ont... Voilà, c'est anglo-américain, quoi, et pour les anglo-américains, les Français, niveau militaire, on est des branleurs, hein, ça c'est pas... C'est pas nouveau, hein. Voilà, petit coup de secours. C'est sur Netflix, Dolly Dent, c'est sur Netflix. C'est en 6 épisodes de à peu près 40-45 minutes chacun. Et c'est sorti jeudi là. Mais pourquoi ton herbe est rouge comme ça, Gérald? Ne l'écoute pas, Gérald. Bonsoir, cela fait un moment que je vous suis, je viens de craquer sur de la maquette dans le thème de la Normandie 44, après étude pour les véhicules de la période, ça fait vraiment longtemps. Génial, Lolo. Vous avez le titre de la série. En gros, faut s'appeler le premier épisode. Ouais, après, il y a d'autres... Ils apportent des infos, quand même, tu vois, mais... Ça se voit que c'est anglo-américain, quoi, tu vois, ça aurait été une série française, ben, enfin, j'ose imaginer qu'ils n'auraient pas dit ça, que les Allemands étaient rentrés en France comme un couteau dans du beurre chauffé. L'humanité en guerre, ça s'appelle, oui, pardon. Salut, Rod.
Ouais, on est en train de le fignoler là. Là, on fait la roue de secours. EM12 et FI13. EM12. Ah, il doit y avoir une pièce ici. C'est celle-là. C'est celle-là. Ben là, tu vois, on va pouvoir foutre la grappe à la poubelle parce qu'elle est vide. C'était la dernière pièce. Après, je vous montrerai tout ce qui reste dans les grappes là pour que vous ayez un aperçu. Après, il y a des petits phares là à l'arrière et puis c'est tout. Hein. Voilà. Et l'autre pièce, c'est quoi? FI. FIFI, FIFI. FI quoi? 13. C'est celle-là. FI 13. Tu fais des figurines avec, ou peut-être une, là j'en ai une avec un photographe, là je vais sûrement la faire. Faut cloner De Gaulle. Hein. De Gaulle, il a bien correspondu à l'époque dans laquelle il a vécu. S'il reviendrait maintenant, je crois qu'il ferait pas, tu vois. Pas qu'il pourrait faire grand chose vu le système, tu vois. Ouais, un peu plus qu'un De Gaulle ou qu'un. Voilà. On va pour ça un petit peu ici. On va juste préparer ça pour pouvoir le. Alors, en gros, comme ça. Ça, ça va dessus. Prendre et puis après il faudra juste coller ça, si je dis pas de bêtises, comme ça. Voilà. Allez Jean-Philippe. J'avais regardé Rogue Hero sur Canal Plus et ça m'a redonné envie de faire de la maquette Jeep SAS et LRDG. Ah bah yes, faites-toi plaisir. Alors. Ça va s'afficher là, ici. Bon, ça c'est bon. Après, quoi d'autre? Les essuie-glaces, on verra plus tard, ce n'est pas grave du tout. C'est les petits phares à l'arrière, je crois qu'il reste là. Alors, on repart dans la notice. C'est sur ma quête finie, dit Xavier, maintenant apéro. Yes, vas-y, bien mérité. Moi, je continue, hein, les gars. Hein. Alors. Tout ça. Ça c'est fait. Voilà, c'est les petites parties ici là. Voilà ça.
Alors j'ai deux PE, PE27, PE23 et PE3. On va mettre la PE27 de chaque côté de là. Bon, PE27, ça, je vais dire que la cyano. Moi, je fais maintenant, hein, tant pis, ça fait un long direct, mais c'est pas grave. Comme ça, je voudrais le laisser reposer une journée ou deux, et puis après le laver, le relaisser poser une journée ou deux, et puis après attaquer la peinture. Bon, comme ça, on va finir le montage aujourd'hui. On n'en parle plus. Alors, PE27 par deux pièces. Allez, go, PE27. Alors, 20, 26, 27. Ben voilà, elles sont là, toutes les deux. Les mignonnes. Hein. Hop. Hop. Une. Et deux. Right. Pour ça, il faut les plier. Alors, on prend sa petite pinçounette. Hein. Normalement, ça va le faire avec ça. Je regarde comment ça se pose. Yes. Voilà, faites gaffe que ce soit à peu près d'équerre. À 90. Yes. Ok, bon. Et ça, ça se colle où? Là, ici, il y a le petit truc, hein. Tac, tac. D'accord, en préparation de la cyano. Dépêche-toi de finir pour faire un truc intéressant. Bon, alors, du coup, je suis perturbé. Oui, non, c'est ça. C'était bien les livres du soir. Ouais, les lives du soir, mais c'était trop épuisant pour moi. Trop fatigant. Avec apéro dansant. Salut Patrick, ah bah bonne anime alors. Bonne anime Patrick, ciao ciao. Nocturne avec apéro dansant, ça serait cool. Un petit pic. Est-ce que j'ai beaucoup de... Ouais, on va faire la petite bougie là. On va ranger, là, tout ça. Les roues, on va ranger, il faut toujours ranger le moteur. On peut partir à la poubelle. Alors, cyano, bougie. Où sont mes allumettes? Coucou, les allumettes, elles sont là. Voilà. Là, j'ai la petite hop, on va mettre ça que tout le monde voit comment je fonctionne. Hop hop hop. Voilà. Pécule, piano,
bougie pour nettoyer, des petites pièces à coller. Ok. Bon. Concentration maximum. Tu vois, tu mets vraiment une micro-goutte. C'est génial ces pécules là. Tu vois? Même j'en ai mis trop là. Je la brûle déjà pour que ça soit nickel. Tu vois, ça fait des petites étincelles. Oh, c'est joli. Et hop, ça redevient tout seul. Ça redevient tout fort. Bon, après, je prends un petit truc comme ça. Alors, c'est de la cyano qui peut tenir quelques minutes comme ça. Donc, je pose une pièce. Hein. Tu vois, j'ai un peu de marge quand même. Hein. Voilà. Ouais, ça fait un collage. Oh. On voit bien ou pas? C'est pas trop trouble, tu vois? Sans trace de colle et tout, parce qu'on a mis une micro-goutte. Et on va faire de l'autre côté. Correctement, bien la tenir comme il faut, sans la déformer évidemment. Hop, j'arrive pas. Deuxième essai. Hop, voilà, c'est bon. Voilà. Yes. J'en ai un petit aussi là, à coller juste là. On va le faire aussi. Hein. Ah. Le plastique cuisine. Non, ce soir, j'ai pas... Il me reste un peu de pleuroc, là, j'ai pas grand-chose. J'ai une petite soupe. Mais j'ai pas de bons trucs, quoi. Mais bon, je peux pas avoir de bons trucs dans le frigo, moi, sinon... Bon, ce soir, je crois que ça va être une soupe avec un peu de pleuroc, là, finir les pleuroc. Je roule ma poule. Ok, alors après c'est quoi notre pièce? PE23. Division Héros, Jean-Fred, j'attends la nouvelle série avec les aviateurs dans le continuité de Band of Brothers, Master of the Air, et le trailer est super et ça donne envie. Ouais, ça va sortir quand ça? Didier, ne pas oublier de mettre le câblage électrique des feux et phares. Non, je fais pas ça. Non. Là, j'ai pas envie. C'est quand même quelque chose, hein. Moscou, c'est quand même quelque chose. Hein. Et ça se prévoit à l'avance. Hein. Tu vois, je perce le phare, je scie, je là, je les ai déjà mis à l'avant. Puis j'ai pas de dock, donc par où passe le fil, est-ce qu'il est là sur celui-là, je crois que c'est le, tu vois. Je vais faire une belle peinture, un beau truc, sortie de boîte, out of the box, j'en fais pas trop. «
Sinon, je viens te chercher les raclettes. Ah bah oui, vas-y. Je t'attends, Floppy. Ah, t'es surpris, hein. Tu croyais que j'allais dire non. Eh bah vas-y. Moi, j'ai que mes chaussures à mettre, hein. Je suis habillé, hein. Bah vas-y, fais chauffer la raclette, et puis ce soir, on se fait une raclette. Et puis je dors chez toi, tiens. Il y a une place, ta fille, elle est pas là. Il y a le canapé. Et ben bah voilà. Puis tu me ramènes demain. PE23, ah bah ils sont là. Dans une heure, je suis là. Bah, tu seras pas là dans une heure, mon biquet. Tu te souviens pas quand t'es venu la dernière fois à la maison? Là, on est samedi soir, Coco. Samedi soir. Donc là, tu vas être là dans une heure et demie. Quelle heure il est? 18h. Tu vas être là. Bah, non, mais bien plus que 18h. Et quoi? 18h22. Tu vas être là, allez, avant 20h. Bon. Après, il faut repartir chez toi. On va arriver chez toi, il va être 22, 21h30, 22h. Malheureusement, t'habiterais plus près où il y aurait moins de circulation, avec plaisir, avec plaisir. Ah bah oui, plutôt qu'une soupe de légumes de raclette avec Floppy, je préfère la raclette. Malheureusement, la circulation parisienne. Voilà, bon, là, il va falloir rajouter un petit truc dessus. On va faire le deuxième tout de suite. Entrée gratuite et tenue de soirée exige. Ah, puis la raclette, ça se prépare. Tu vas pas me dire que tu as toujours dans ton frigo de quoi faire une raclette, Floppy. Si je déboule dans une heure, là, t'as de quoi faire une raclette. Le fromage, la charcuterie, tout le bazar. Oui, au pire, le magasin ferme à côté à 20h30. Il est fou, ce garçon. Il est fou. Ensuite, il faut la PE3. Ah, mais Floppy, on aurait dû y penser avant. Tu m'aurais proposé ça à 16h. Je t'aurais dit oui. Voilà, ça aurait été à peu près correct. Mais là, 18h30, c'est pas possible. Mais je reconnais bien là ta grande gentillesse, mon ami. C'est sympa. J'aurais adoré, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Voilà, on va mettre les petits. Alors ça doit être des déflecteurs, des choses comme ça. On va les mettre sur le truc. Ah. Ou alors tous chez Didier.
Il va manquer un peu de place. Je mets un anti-slip plastique derrière et hop, gyro sur l'autoroute en criant « Poussez-vous, mon Didier Afin !» mon petit copie. Bon, je vais utiliser ça hein, pour pouvoir le placer la petite pastille correctement. Voilà, micro-goutte au milieu. Petit crayon de cire. Voilà, petit poil au milieu. Ça, ça va tout seul. Hein. Hop, une micro-goutte. Voilà. Nickel. Là, il reste les petits fins en plastique. C'est les pièces FI21. Donc là, c'est du plastique, mais on va devoir les coller quand même à la Cyano parce que bah, plastique sur Cyano, plastique sur PE, pardon, c'est Cyano. En temps floppy, je mets une ambulance au garage, un coup de gyro, et au lieu de 3 heures pour venir, c'est 1h10. Tu vois ce qu'on serait prêt à faire pour toi, même mettre un anti-slip. De rien, PhD, avec plaisir. À l'avenir, il faut trouver un code discret pendant les directs pour que je m'organise pendant un direct à 16h. Ah bah justement, tiens. Que me conseillez-vous pour coller de la colle à du plastique sur du métal? Bah, sur de la photodécoupe, tu veux dire? Le code Rastaraclette. Tiens, on va faire les Français parlent au français. J'ai mis le fromage dans le frigo. Je répète, j'ai mis. Alors attends, c'est quoi la pièce? C'est FI21. C'est pas celle-ci, FI. Non, celle-ci, je dis que c'était pas celle-là, la poubelle. Je crois que c'est la grande là. Non, c'est pas celle-ci, parce que c'est pas les bons trucs. Donc ça ressort. Celle-ci alors. Non, là, c'est BF. On va y arriver. Ah voilà, c'est ça. Tu vois, je dois coller ces deux petites pièces-là sur la photo découpe-là, ce qui va pas être... Donc c'est plastique sur métal. Moi, je vais utiliser de la cyano, Théophile. Non, c'est pas Théophile. Si, c'est Théophile. Voilà. Ça, tu vois quelle époque on vit. Hein. Je pense à un truc, là, je le sors, tu vois. Je viens de dire les Français parlent au français, et là, après, maintenant, là, je réfléchis, je dis, putain, j'aurais pas dû dire ça, c'est pas bien. Tu vois comment on est conditionné? Parce que ce truc-là, français-français, là, ça fait des années qu'on nous dit que c'est raciste. Et que quand on dit français, c'est que. Enfin, tu vois, les Français aux Français ou. C'est un peu limite, tu vois. Qu'on est conditionné que quand on entend ou quand on dit comme ça, tu vois, dans la conversation, les Français parlent aux Français, et ben oh, putain, tu vois, on a un petit. Ah merde. Alors que c'est pas un problème. Rien que pour ça, tu vas voir que demain, je vais avoir des messages. Je vais recevoir des emails. Comme d'habitude. Alors, tu vois, je pose mon truc. Là, je pose ma cyano. Zou. Je prends ma petite pince.
Voilà. Ouais, nickel. Voilà. Ouais, la cyano avec le plastique, c'est... Enfin, la PE plastique, t'as pas le choix, c'est de la cyano. Surtout quand ça pend comme ça. Quand c'est posé là, tu vois, si j'avais un truc, tu peux mettre une colle à bois ou la colle ultra glue. C'est un mou qui a fait ça, les gars, la colle blanche, la spéciale PE. Les autres ne sont pas gentils. Bah, pas toujours. Je reçois toujours des trucs quand je parle comme ça. Quand je dévide la maquette et que je parle un peu, tu vois, une petite réflexion comme ça, là, comme je viens de dire, tu vois, tout à l'heure qu'on a parlé un peu de... politique, tu vois, enfin, brièvement comme ça, tu vois. Et ben, le lendemain, je reçois toujours des mails. Alors, des mails, certains me disent, ouais, DJ, t'as raison et tout, machin, et puis... d'autres un peu plus, tu vois, méchants, quoi. Voilà. Parfait. Il y a deux petits trous, là, ça rentre parfaitement. C'est nickel. Donc, tu vois, les petits phares à l'arrière, les petites diodes, là, tout ça, c'est nickel. Voilà, je crois que c'est bon, hein. Côté montage, bon, il y a le rétroviseur, mais je vous l'ai dit, je ne le mets pas maintenant parce qu'il est tellement grand que je suis certain de le dégommer, tu vois, c'est celui-là, là. Par contre, je peux mettre le petit support, tu vois, je peux peut-être mettre la petite pièce PE, là. Ouais, PE8. On va faire ça. Non, parce que c'est trop près du bord. Si je mets de la cyano là, puis que ça déborde sur le truc, ma porte va être collée à la cyano, alors que je dois l'enlever à la fin. Donc non, on fera ça plus tard, tant pis. Donc j'en vérifie si j'ai d'autres choses. Ah. Du coup, j'ai du sang corse. On dit français quand même. Ben oui. Et ça, c'est des gens qui sont... Enfin, tu vois, mais c'est pas de leur faute, hein, je dis pas, tu vois, ça fait 30 ans qu'on leur dit que, quand on dit faire la France, enfin, tu vois, français, c'est un peu, tu vois, la France aux Français, ou les Français parlent aux Français, tout de suite, c'est un truc offensant, quoi. C'est un truc raciste, et c'est un truc... Donc les gens, ils sont conditionnés. Et moi aussi, quelque part, t'as vu, tout à l'heure, je me suis dit, oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Je regarde parce que j'ai des pièces là, je me demande si c'est pas des bavettes, si j'ai pas oublié de mettre des bavettes ou je sais pas quoi. Regarde, j'ai 2-4 pièces comme ça, là. Souvent, on dirait des petites bavettes à mettre à l'arrière des roues, là. Mais j'ai pas regardé sur la notice, je vois pas de bavettes, hein. Tu vois, ces pièces-là, je les vois pas du tout. Regarder parce que machin, mais j'ai l'impression qu'ils préparent aussi en même temps, tu vois, c'était leur première sortie ça, mais il y a d'autres versions qui doivent être en cours de prévu, etc. Parce que évidemment, je regarde, hein. Yes, tu vois, il y a ça encore de dispo sur les grappes, dans deux trucs là différents. Il y a des petits phares différents, tu vois. Ça c'est presque vide, ça c'est presque vide, ça c'est presque vide. Sur ma grosse grappe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un garde-boue différent là, tu vois. Des trucs là, un peu des tuyaux, des machins, des trucs, tu vois. Donc ils ont déjà dû prévoir leur version, une version après une autre, quoi. Notre version. Et là, tu vois, il y a 4 trucs comme ça, 4 bavettes qui sont pas dans la notice, donc. Peut-être pour la version qui va sortir là, au mois de janvier, là, au mois de décembre, je sais pas. Donc là-dessus, je n'ai plus que le phare, là, et puis la roue de secours, et puis les roues, évidemment. Mais tout le reste, il est là, c'est bon. Et là, on va essayer de mettre une petite chaîne, là. J'ai envie. Alors, on va brûler ça, là. Voilà, tu vois, pour avoir un truc bien pointu, nickel. Hop, on met de côté. Voilà. Ça, la prochaine fois, ça va être nickel. C'est important d'avoir des, tu vois,
Moi, tu sais, quand tu fais de la phonodécoupe, que tu as du matos, que ça marche nickel, qu'il n'y a pas de soucis. Bon, une petite chaîne. Vive le Man Alsace, tu m'étonnes. Vive le Picombière, yeah. Vive la Chedon, pas Xavier. Vive le Chouchène, oui, ça aussi. On va croire que français, c'est un gros mot. Bah ouais, il y a des gens, hein. C'est pas pour ta version, les babettes, yes. Je les avais sur mon camion avec le plateau à l'arrière. Ah, yes. Bah, c'est ça, une autre version. Ce soir, bavette frite. Petit vénard. Petit vénard. Petit outil, nous dit François. Petit outil, allez voir, que j'utilise depuis un moment pour bien pratique sur Amazon. Ah, pour agrandir tes petits trous et tout. Génial. Ah, top, top, top. Ouais, un chouette petit... Alors, je peux pas aller sur le coin du feu, les gars. Hein, désolé, mais... Promesse, promesse, hein. Bon, allez, je regarde les chaînes, là. Je crois que j'en ai ici, en plus. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai des chaînes? Ah, regarde, j'en ai une petite mignonne, là. Est-ce que ça va le faire, ça? Je vais vous montrer si ça va, si ça a l'échelle à peu près. J'ai même des ressorts. J'ai une boîte avec des ressorts. Ça fait 20 ans que je l'ai cette boîte. J'avais trouvé des ressorts, des mini-ressorts. Je me dis un jour que ça va être utile, mais pour l'instant... Bon, j'ai ça là. Là c'est, l'échelle, c'est bon, hein. On va sortir un peu, on va la dépotationner. Bavette égale boîte à rabiot. Tu vois, c'est à l'échelle là, c'est bon. Ça va le faire, ça. Je vais en sortir comme ça, quoi. Voilà, comme ça, quoi. Hop, 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 hop. Je vais couper là. J'y suis en anticipe. Ah, sur le coin du feu, donc va pas choquer la France. Ouais, c'est pour ça, voilà, tu peux te... Tu peux te montrer en anticipe sur le truc, là. Et tu m'as donné les facs, ta raclette, là. Je sais pas, peut-être que je vais sortir, m'acheter un petit truc, quand même. Quelle heure il est ? Bon, alors, attends, regarde. Voilà, un truc genre comme ça, quoi. Que je place à la cyano et tout, je mets la près dessus et tout, tu vois, je la mets maintenant. Oui, maintenant.
Je vous fais une photo que vous voyez un petit peu la gueule que ça a. Il y a vol. Alors, je vais faire une photo en carré. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie. Envoyer. Qu'est-ce que vous en pensez, Lego? Après, avec la peinture rouillée, machin, enfin, tu vois, un peu de... voilà. Ou je l'enlève maintenant, puis je la peins à part, puis je la mets quand ça sera, la peinture sera finie. Spaghetti bolognaise. Didier va voir la photo de Floppy. Top, la chaîne, ça le fait. Ça vous plaît? Je vais l'enlever, je vais la peindre à part, je vais la plonger dans une peinture un peu... d'abord gris foncé, et puis ensuite avec un... Non, non, tiens, je vais utiliser la nouvelle peinture machin, là. Salut, elle est belle. Tu vois, donc gris avec des taches de blanc, puis après je la plonge dans la Express couleur rouille, là. Je la fais sécher, et après, quand la maquette sera peinte, je la mets en place comme ça sur le truc. Tu vois? Ça part et puis on la remettra là. Mais c'est la bonne taille, ça va à peu près, c'est nickel. On va la poser après. Alors je vais aller voir dans le coin du feu. Ah ouais, carrément, plastique dream. Hein. T'as un joli logo, comme dit Didier. Bien vu, mon Floppy. Bon, à toute fin utile, les chaînes, il y en a chez... Oh, il y en a partout, Bilou. Il y en a chez Passion, il y en a chez Oups, il y en a chez Eurobaquette, il y en a partout, des petites chaînes comme ça. Il y en a même sur Amazon. Toi, tu veux placer ton sponsor, c'est ça? Peut-être pas faire ça ici, peut-être faire ça sur ta chaîne, Mister Maquette. Qu'est-ce que t'en penses? Prends du burnishing metal pour ta chaîne. J'en avais avant du, puis j'en ai plus du burnishing metal. J'avais le ah la marque a disparu là. Comment ça s'appelait? C'est vieux ça. C'est une petite marque tchèque ou je sais plus. Ils avaient pas mal de petits produits. Sympa, c'était trop galère à avoir. Et il y avait, ouais, c'était des petits pots là. Avec une espèce de pâte noire. Mais quand tu l'as frotté, ça devenait très très... Ça devenait brillant quoi à la fin, c'est ça. Hein. Aka, ils ont ce genre de produit? Cette pâte là? Je sais que VMS, ils ont un burnish machin, là. Peut-être que je devrais prendre le VMS. C'est un espèce de noir que voilà, tu vois, ça, c'est une pâte noire, mais une fois que tu la potes, tu la laisses sécher, après tu la lustres, il y a des reflets brillants, un peu comme les crayons, quoi, la pâte de crayon qui sert à faire les crayons de bois, quoi. Pas du tout, je n'ai ni chaîne ni sponsor. Quelle idée. C'est pas un souci, hein, Mister Maquette, hein, c'était une espèce de petite blagounette. Je fais moi-même de la pub pour d'autres, tu vois, j'ai même fait des vidéos pour lancer des petites chaînes, et des petites
magasins, des petits trucs, des petites boutiques, donc c'est pas un souci. Hein. AK-158, une brole en faisait aussi. Ah, c'était Ushi, ça y est, ça me revient, la marque là que j'avais. Ushi quelque chose. C'est vieux ça. Je crois que je vais commander un pot chez VMS. Pas seulement pour le truc, mais c'est vrai que, donc, par exemple, quand le modèle il va être complètement fini avec la peinture terminée, si on veut faire des petits coins, tu vois, donner une allure métal, on fait un dry brush avec ça. On met ça sur un pinceau, là, la fameuse pâte là. On l'essuie à fond et on passe sur des petits bords comme la grille, là, les petits bords ici. Et ça fait des petits effets reflets métalliques. C'est plutôt pas mal sur les blindés, c'est bien aussi. Hein. J'ai même fait de la pub pour la tarte à floppy. Ah oui, moi je fais de la pub, les clubs, les machins, tout ça, il n'y avait aucun problème. Uchi van der Rosten hier, yes Moscou, c'est exactement ça. Ils avaient des tas de produits très 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 sympas, mais c'était assez dur à avoir. Ça existe encore ça à Moscou, Uchi van der Rosten? J'utilise du canon noir, qui est un produit de brunissage d'armurerie à froid. C'est le même principe, Arnaud? Repris par MIG. Ah oui, ça m'étonne pas. Enfin, ça m'étonne pas, je veux dire, c'était une bonne... Ils avaient des bons produits, hein. C'est eux aussi qui avaient fait les premiers décals pour le bois, là, je crois. J'avais eu plusieurs de leurs articles, il y a longtemps de ça. Ouh, quel longtemps. Et c'était des beaux produits, quoi. Mais pas facile à avoir. Pas facile à avoir. Regarde le sujet, faire de la rue soi-même sur l'atelier, ça peut convenir et éviter d'acheter des produits. Bah j'ai tout ce qu'il faut, la technique que je vous ai dit tout à l'heure. Là, et puis après, avec ça fonctionne très bien, j'ai plein de pigments, tout ça, de trucs couleur rouille, j'ai même de la peinture Live Color qui est vraiment super, donc j'ai plein de solutions en fait. Hein, j'ai 50 solutions pour cette chaîne-là, donc il n'y a pas de souci. Hein. J'achèterai pas de produits. Oui, exactement, je m'en sers pour la restauration des teintes sur armes anciennes. Génial, Arnaud. Sur Discord, il y a le produit AK. Je vais aller voir. Ah oui, oui, je connais ça. Je crois même que j'en ai une bouteille. Je dois en avoir un bout quelque part. Attendez, bougez pas. Mais ça serait trop rigolo. Je crois que la bouteille est là-bas. J'ai plus. J'avais eu ça pour des chenilles et je pensais que j'en avais un fond de bouteille. Mais je vous allez voir, la peinture, c'est quand même pas mal. Hein. Tu vois? En plus, ça doit être, je sais pas, c'est du cuivre ou c'est. Je sais pas si ça marche avec ce produit-là. Hein. Tu vois, c'est pas un vrai métal. Enfin, tu vois, c'est pas du métal. Je cherche un site, pardon. Ah, ça marche, Jacques? Ok. Je cherche un site de photos. Les hélicos américains sont stockés dans des grandes étendues désertiques. Je ne connais pas. Hop, hop, hop. Donc voilà mon petit véhicule. On va mettre autour donc la chaîne, light, les deux roues avant. La roue de secours. On ne sait jamais. Les deux roues arrière, les doubles roues arrière. Le petit pare-brise. Yes, je cherche le nom.
Et quoi d'autre? Et le petit volant à remettre après, éventuellement. Voilà. Et puis, il y aura le petit rétroviseur qui est encore sur grappe, que je laisse sur grappe pour l'instant. Et puis, roule ma poule. Donc là, je crois que les vidéos de montage, bah, c'était la dernière. La prochaine, on attaquera la peinture. Hein. Je vais mettre la mouche, nettoyer d'abord. Et tout ça. Et puis, je vais le scotcher. Comment on va faire pour tenir ça? Oh là là là. Ça va être encore galère de tenir ça. Je vais le poser simplement comme ça sur mon truc, là. Yes. Okay. Bon, voilà. Donc, prochaine vidéo, ça sera là-dessus. En tout cas, ça sera une vidéo de mise en peinture. Ouf, j'ai eu peur que roule ma poule soit partie en vacances. Mais non, elle est là, la poupoule. T'inquiète pas. Elle est là, la poupoule. Ben voilà, tu vois. 135 en ligne, 145 likes. C'est parfait. Ok, les gars, on va se laisser là. On va se quitter ici, pardon. Et pas de Jésus-Marie-Joseph. Si, ça, je dis Jésus-Marie-Joseph. Ça, c'est quand c'est super, super rare, c'est le truc au-dessus. Passez une excellente fin de journée, bon appétit, bon apéro à ceux qui vont commencer l'apéro. Quelle heure il est? 18h52, yes, il y en a qui vont se mettre à l'apéro. Bon, bon apéro, passez du bon temps en famille. Peut-être en a qui vont refaire un peu de maquette ce soir, pourquoi pas. Et puis bon dimanche, et puis on se retrouve très 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 bientôt. Sur Plastic Dream, les copains. Ok. Voilà. Et le râleux qui ont trouvé des trucs bizarres dans ma vidéo, que j'ai dit, ne m'envoyez pas d'email, s'il vous plaît. Je ne les lis pas, je les jette à la poubelle. Ça sert à rien, vous perdez votre temps. Alright. Bonne soirée, les gars. A plus, ciao, ciao. Prenez soin de vous, surtout. Ok. Ciao, ciao, ciao. Jelly roll, and a papa wanna save my soul, but a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Yes, she does.